deux skills. Nice. No. J'ai envie de mourir, j'ai fait un one tap. J'ai vu sur la vidéo de truc mule là, Spot. Il a dit de prendre cette ligne, merde. I'm gonna do the kill. Yeah. Fucking peak advantage, man. The fucking peak advantage. Elle est trop bien la map. Hein. Ouais, c'est cool. Tu m'as one tap. À 300 mètres, mon gars, à 300 mètres. Ça c'est quoi cette idée de se splitter à deux? Ah! Non, bah non, 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 bordel de queue! What? Deux? Mais deux, trois, quatre, douze! Maman, regarde, j'ai fait un kill, mon premier kill sur ma Delphine! En faisant bip bip bip! Oh, il m'a tiré, il m'a fait le Skat, un conseil pour avoir ta beauté? Je sais pas, je peux demander à Marum si tu veux. Mais je suis pas sûr que... Je pense que c'est random. Parce que mon père est chum et ma mère est chum. Ouais, tu vois, comme quoi, de temps en temps, bah, coup de bol, quoi. Ah, désolé. On attaque le pique. Ouais, je suis désolé, mais je vous avais vu. Lui, il est mort dans 3, 2, 1. Moi demain, si je cheat sur R6, je me dis, mais ça se trouve, ça va relancer mon. Tu vois? J'hésite, hein. Voilà. Sachez que je suis en réflexion. Regarde, y'a des lémuriens là qui sont en train de monter, mon gars. Mais mec, oh, y'a des mecs qui ont. Tu les vois là? Est-ce que tu les vois, les mecs là? C'est pas des épingles à linge! Vous avez parlé d'un duo sur Twitter sur 4 alors que c'est quand avec The Godly Noob. Sur Tarkov, il s'appelle The Godly Noob. Je suis obligé de me respecter un petit peu les amis quand même. Je vous rappelle qu'il vit de l'autre côté du... Tu vois ce que je veux dire? Il est québécois quoi. Québécois on les aime bien mais c'est eux quoi. Non mais non mais putain mais ce truc de merde là. Ouais, un mort. Deux morts. Trois morts. Effectivement. What the fucking... Oh, come on, no! What just happened? What the fuck, what just happened? One tap, man! Hell. Ah! Mon dieu, bordel de fils de putain de... La console. Non, la console. Non, la console. Non, 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 non. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Oh, le flop de l'intro. Ouais, salut tout le monde. Comment ça va sur le campus de la Solti Academy? Vous allez bien? Bah ouais, j'étais parti fumer.
Ouais, y a plus rien qui va, c'est bon, c'est un écran noir, je lance à 17h40. C'est fini, que voulez-vous ? Bah ouais, j'ai complètement floppé, et alors ? Et alors ? Bah j'ai oublié en fait. J'ai oublié le live, hein, tout simplement, hein. Je m'étais barré moi. Déjà que j'ai failli pas live aujourd'hui, alors que voulez-vous que je vous dise ? Mais ouais, y a trop de trucs là, y a trop de trucs, j'en peux plus, j'en peux plus. Y a trop de trucs qui arrivent. J'ai même pas le temps de boire. J'ai même pas le temps de boire. Bon, ça va tout le monde, vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Bien ou bien ? Ouais, ouais, je me racle la gorge aussi. J'ai, hein, j'attends le live, alors rien de rien. Ok. Bon, ça va ? Bien ? Hein ? Vous avez passé une bonne journée ? Vous avez fait quoi de votre week-end ? Enfin, de votre dimanche ? Hein ? Moi, je me suis levé à midi. Et puis après, j'ai bossé jusqu'à 5h du mat. Voilà. Bah, super. Super dimanche, quoi. Hein ? Voilà, bah ouais, que je veux dire, j'ai même plus le temps. Oh, il y a Younim qui est là. Younim, j'ai même pas eu le temps d'aller m'acheter des pompes. Des pompes ! Rentrez. Rentrez, que je vous explique à quel point c'est difficile d'être youtubeur, influenceur, slash... Enfin, vous avez compris, quoi. On les fait rentrer où ? Je sais pas. Ah. Je me suis même pas rasé. Ouais, je sais, je me suis pas rasé, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien qui va, ok ? Il n'y a plus rien qui va, d'accord ? Je le sais bien, hein, voilà. Hein, voilà, c'est comme ça. Et je peux même pas aller jouer sur R6, parce que j'ai ce clavier de merde. 200 balles, cette bouse, je vais le jeter, quoi. Et j'ai même pas envie de le donner en giveaway. Merci infiniment Pussy Babe pour les 3 mois de frais scolarité. Merci Younim pour les 44 mois. 64 L-O-V-E. Hein, dans 6 mois, tu auras ce badge Platinum que peu de gens peuvent se permettre d'avoir. Hein. C'est quoi le clavier ? C'est de la merde. Ok, c'est un SteelSeries Apex Pro à 209€. Non mais il est trop bien, mais moi je suis trop un boomer, il me faut mon truc à moi quoi. J'ai pas réussi à m'habituer au OmniPoint là, qui veut rien dire du tout en plus. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça m'énerve, j'y arrive pas, mais dès qu'elle est plus la merde, j'ai l'impression d'être gold, je peux plus jouer à R6, c'est fini, hein. C'est mieux qu'une lanette. Ouais, ça c'est sûr que c'est mieux qu'une lanette. Mais c'est quoi une lanette du coup ? Je vois pas du tout ce que c'est. Bon, ça va tout le monde ? Attends, monte le clavier STP vite fait. Je peux pas, il y a un cable management de ouf ici, ok ? Je peux vous montrer le truc qui se détache là. Et puis c'est tout. Après, je peux pas. Il n'y a rien qui bouge ici, ok ? Tout est millimétré, d'accord ? La caméra, elle est millimétrée. Le clavier, il est millimétré. Je peux pas monter. Je peux pas. Si je tire dessus, il y a tout qui tombe ici, ok ? C'est la merde. Hein ? Voilà. C'est mieux qu'une manette. C'est une petite lane, une lanette. Bon, ça va tout le monde ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier ? Vous avez fait quoi ? J'ai vu dans sa boîte ce clavier, il est beau. Ouais, ben non, ben oui, je l'ai vu, oui, votre connerie, là. Fais voir ta manette. Ouais, elles sont là-bas, les manettes. Il n'y a plus rien qui va en ce moment. Il y a trop de projets en cours. Ah, je sais même plus où vous donner de la tête. Faut que j'achète des merguez. Faut que je termine 2 sites internet. Faut que je change de campus. Accessoirement, faut que je prenne un peu de temps pour moi aussi. Faut que je prenne mes premières vacances. Depuis 2 ans, faut que je me rase, faut que je me douche. Non, ça c'est bon, je l'ai fait. Enfin, juste me doucher. Faut que je refasse du sport. J'ai plus le temps pour rien. Hein ? J'ai plus le temps de rien du tout. Faut que je fasse la voix off sur la vidéo 3 de Airsoft qu'on m'a envoyée aujourd'hui, ok ? Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. J'ai toujours un projet et en plus, il y a 3 projets qui se sont lancés là. Et j'en ai toujours un, je l'ai dans un coin de ma tête. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est ingénieur, ok ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est ingénieur, ok ? Pas quelqu'un qui est curieux et au bout de 3 jours qui va me dire « Ouais, non, j'en ai marre, ça me saoule. » Ça, j'en ai marre de ça, ok ? Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est genre ingénieur, qui tape sur de la réalisation 3D, genre qui tape sur de l'AutoCAD ou des trucs comme ça, mais sur de l'ingénierie. Donc, c'est hyper précis. En gros, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en mesure d'inventer du début à la fin une souris, ce sera moins compliqué qu'une souris. Mais s'il arrive à faire une souris, voilà. Et ça, c'est un truc, c'est un concept. On est millionnaire derrière.
Je ne plaisante même pas. On en rigolera. On clippera ce truc-là et vous direz, putain, si j'avais su. Millionnaire. Millionnaire. Ça fait 2 ans que je l'ai dans la tête, le truc. 2 ans que je l'ai en tête, ce truc. 2 ans et je ne trouve pas la personne pour le faire. C'est ouf, hein. J'ai déjà fait les démarches auprès de l'IMPI et tout, machin. Voilà, quoi. Il me faut juste une personne qui cartonne là-dessus. Voilà, quoi. Hein ? Faire quoi ? Bah oui, je vais te donner l'astuce. Mec, c'est un truc, c'est sûr et certain. Si on le sort made by nous, ok ? Si je le vends pas l'idée à une grosse boîte, ok, qui travaille dans le gaming, on va dire, ok ? Si je le fais made by nous, c'est certain, il y a des marques qui nous copient. J'en suis sûr et certain, à 2000%. L'idée, elle est révolutionnaire. Et elle est facilement réalisable au final. Ah, vas-y, révolutionnaire, elle n'est pas révolutionnaire. Mais c'est vraiment un truc cool. Hein, c'est la Six Mouse. Non. Mais disons que si un mec sait faire du clavier, un machin, partir from scratch, une souris, c'est pas grand-chose. Sans forcément designer le capteur. Hein. Tu vois, juste le design de la souris en elle-même, tu vois. Et avoir quand même quelques principes de compréhension de comment ça marche, tu vois. Tu peux pas juste emboîter les trucs et ne pas comprendre que, ah bah ouais, là, d'un point de vue thermique, il va falloir utiliser ce type de plastique, etc., etc., quoi. Tout ça pour un tapis de souris. Non, ça, je l'ai fait moi-même, ça. Eh, ils sont made by myself, ça. Ça, j'ai besoin de personne pour faire les tapis de souris. Hein, j'ai mon cousin, mais il a déjà un taf comme ça. Si vous avez quelqu'un autour de vous, réellement, et qui a envie de se lancer dans un business, bam, derrière, je le fais signer un NDA et derrière, je vais taper aux portes. Genre vraiment, quoi. Je suis sûr et certain que le simple fait de vendre l'idée à une grosse marque, c'est 6 chiffres. Oh ouais, c'est facile, 6 chiffres. Je pense. Vraiment, rien que l'idée. Parce qu'il y a tout. Parce que je vends tout le package. Parce qu'il y a toute la partie marketing, le nom, il y a tout qui vient avec. Dépose un brevet, c'est en cours. Mais pour déposer un brevet, ça se fait pas comme ça. Hein, pour déposer un brevet, tu peux pas dire genre j'invente une souris par exemple, tu vois. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas déposer le brevet d'une souris. Ok ? Imagine, t'inventes un clavier révolutionnaire. Un clavier. Je sais pas en fait, j'arrive même pas à penser à un truc, tu vois. Avec un chauffe-tasse sur le côté, c'est nul, ok ? Mais quand bien même t'inventerais ça et que ça marcherait, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas juste décider de dire, bah, je vais déposer l'idée. Et l'idée, c'est un clavier avec un chauffe-tasse. Non. T'es obligé de donner les bonnes cotes, les bons trucs, les bons machins. C'est hyper compliqué de déposer un truc. Déposer un nom, déposer une marque, ça, c'est pas compliqué en fait, ok ? Ça, c'est vraiment simple en l'occurrence. Mais déposer un brevet, genre pour un objet, non, il faut qu'il y ait une classification, il faut que tu dises tel truc, tel machin, tel bidule, pourquoi, machin. On rentre dans des détails. Hein. Et c'est le truc le plus casse-couille. Parce que l'idée, c'est justement, tu déposes quelque chose parce que tu sais que derrière, ça va se vendre et tu sais que derrière, on va te copier. Et derrière, ils sont sans scrupules. Et si on nous pique l'idée, derrière, t'as que tes larmes pour pleurer, en fait. T'as plus que tes larmes pour pleurer. Parce que, bah, un Elgato ou un Corsair arrive derrière et ils font... Bah, elle est sympa, votre idée. Vous l'avez protégé comment ? Comme ça ? Ouais, pas vraiment protégé, quoi. Donc, on peut se permettre de faire ça. Toc, toc, toc. Ils vont dans leur... les parties, la personne qui s'occupe du... Enfin, dans le juridique, ils ont carrément leurs avocats, au fait, qui travaillent pour eux, quoi. Qui sont en salarié. OK ? Regarde, il y a un mec qui a fait ça et on aimerait faire exactement la même chose. Mais bien sûr, voilà. Dans quel contexte, dans quel cadre est-ce qu'on peut le faire ? Ah bah, vous pouvez copier ça, ça et ça, il n'y aura jamais de risque. Ça, attention. Et si on le fait comme ça, voilà. Bon bah, pas de problème. Derrière, il va voir son R&D. Sa R&D va faire le prototype, etc., machin. Il va revoir le mec, il va leur dire « Eh, si on fait ce prototype-là, est-ce qu'on risque quelque chose ?» Non, pas du tout. On peut verrouiller, bam, 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 bam. Et limite, derrière, ils peuvent faire l'inverse. Genre, et te dire que c'est toi qui l'as copié. C'est vraiment horrible. Donc, t'es obligé d'y aller en mode bam bam bam. Mais je suis ready. Il change un tout petit truc et il t'encule. Et derrière, franchement, derrière, le seul truc qui se passera, c'est de se dire. C'est les, les,
avec ton petit reach, c'est de pouvoir dire c'est moi qui l'ai inventé, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais derrière, le gâteau dira oh, on a inventé un truc révolutionnaire et tout machin. Et tu diras mais nique ta mère, c'est moi qui l'ai inventé, tu vois. Alors bon, maintenant il y a Twitter, donc du coup tu pourras faire ce qui marche très bien sur Twitter, à savoir chialer, quoi. Voilà. Tu pourras dire ouais, c'est inadmissible, laissez-moi vous raconter à quel point c'est absolument dégueulasse. Regardez ce clip de moi qui parlait pourtant de exactement ce qui allait se passer et ce qui s'est passé. Blablabla. Donc ça, les marques, elles aiment pas trop, tu vois. Parce que là, il y a le mec de la communication qui va aller voir le mec de l'avocat, qui va aller voir l'ingénieur en disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Franchement, on s'est pris 3 dislikes !» C'est comme ça que ça se passe. Vraiment. Donc ça, ils aiment pas trop, tu vois. Mais quand même, derrière, ils étouffent le truc, ils viennent te voir et ils disent « Bon, comment on fait ?» Et toi, tu fais « Bah, comment on fait ? Vous enlevez votre produit ?» Il fait « Non. Combien tu veux, enculé ?» Ah, voilà. Et derrière, il te dit « Tiens, voilà. Ok, bon, on vous donne temps. » En gros, c'est un petit truc avec un document très officiel où il faut, faut que tu signes en bas qui veut dire « Ferme ta gueule. » Ah, c'est tout. Tu fermes ta gueule. Ah, combien s'achète ton silence ? Et c'est comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, du coup, il me faut vraiment… Salut, Espure, comment ça va, poulet ? Merci Flo pour les 12 mois de frais de scolarité. Paiko, nouvel étudiant du campus. Lol. Bienvenue poulet. Merci Pussy Babe pour les 3 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Et ça, j'en ai besoin. Et je cherche depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il est en haut de ma to-do list, quoi. Et ça n'a rien à voir avec les 5 autres projets, les 4 autres projets qui sont en cours. C'est n'importe quoi. Tu veux faire ça pour quand, Six ? As soon as fucking possible, man. J'ai déjà commencé toute la partie marketing, etc. Moi, ce qu'il faut, c'est l'objet, quoi. Il faut un mec qui soit calé, carré, qui me dise, voilà, l'objet, il ressemblera à ça. Et idéalement, qui a déjà travaillé avec la partie dépôt de brevet, quoi. Qui me dit, ok, je m'en occupe. On parle d'un partenariat, là. Et honnêtement, si je le vends bien, je pense que c'est ces chiffres. Je pense que c'est un billet de 100 000. Vraiment. Tu vas voir une marque et tu leur dis « Bon bah c'est simple, soit on le sort nous-mêmes et on vous encule, ok ? Ou soit vous le lâchez, c'est un package, ok ? Et vous dites que le produit c'est blablabla, à la limite vous me donnez des crédits et bien évidemment des royalties. » Ah bah ouais, forcément. À chaque fois que vous vendez ce truc-là, nous on ferme notre gueule, mais derrière en revanche, on prend un pourcentage. C'est comme ça que ça se passe. J'ai des idées de création d'objets ou de projets si tu veux. Il me faut juste des fonds et on tape le million sans forcer. Chaud. Des idées, tout le monde en a, les amis. Ok ? Moi, tout le monde en a. Tout le monde en a, c'est normal. Et c'est bien d'avoir des idées, tu vois. Là, en l'occurrence, moi, je sais que j'ai mon idée. Ce qu'il me faut, c'est juste la personne pour m'accompagner, tu vois. Et je sais que je peux être le chef de projet. Je peux gérer le projet de A à Z. Je peux tout faire, en fait. Non, vraiment, la partie communication, la partie machin, la partie aller voir les avocats, déposer le brevet, machin, truc bidule. C'est juste la partie extrêmement technique, quoi. Voilà, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez ça dans les stocks, hein, point d'exclamation Discord, vous venez me voir en privé et on en discute. Et je veux pas de curieux, ça sert à rien. Faudra me montrer patte blanche, faudra me dire j'ai déjà travaillé là-dessus, 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 là-dessus. Je veux des cracks, moi. Je veux des cracks. Je veux pas. Voilà, quoi. Faut déjà avoir un peu d'expérience derrière. Et le pire, c'est que j'ai besoin de 0 euro. Voilà quoi. C'est moi qui finance. Et il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de lever de fonds. Il n'y a rien besoin. C'est juste un papier, un PowerPoint, des idées et du culot. Et ça passe. Et on en rigolera dans quelques temps. Vous vous direz, tain, c'est parti de ce truc-là et tout. Et voilà quoi. 2 ans que je l'ai en tête. Qui te dit que l'ingénieur que tu vas engager ne va pas vendre l'idée aux marques ? C'est moins difficile de verrouiller des personnes. Là, ça s'appelle un NDA pour le coup. Ok ? Moi, j'ai un cabinet d'avocats, tu vas avoir un cabinet d'avocats, tu les payes genre, bon allez, on va dire 1500 euros à peu près, et ils te font un NDA verrouillé, bien propre comme il faut, quoi. Un NDA, c'est un non-disclosure agreement. Donc en gros, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. C'est un truc de, tu ouvres ta gueule, ça va chier, quoi. Il y aura des dommages et intérêts à payer, voilà, quoi. Mais bon, il faut juste bien le faire, le NDA. Et donc, tu signes le truc avec la personne, et il signe le truc, et en avant, quoi. C'est comme ça, hein. Même si tu pars dans une logique de partenariat avec ton meilleur ami, tu signes un NDA. Et si la personne te dit « Mais non, on est meilleurs amis !» Bah justement, on n'a qu'à signer un NDA. C'est quoi le problème ? C'est comme ça. Alright ? T'es confiant. Ah mais ce truc-là, je sais que ça va... Je le sais, les marques se copient tous les mêmes produits. Et ça, c'est un nouveau produit. Et c'est pas... Et je le sais pour le coup.
Ils ont tout fait dans le gaming sauf ce truc-là. Et je le sais pour le coup. Je le sais. Et c'est assez dingue. Et c'est assez dingue. Là, et je te jure, le jour où je verrai ce truc-là sortir et que je vous dirai putain, c'est mon idée, quoi. Je serai dégoûté. Dégoûté. Alright. Anyway. Bon, du coup, les poulets. Tu veux faire un stream deck? Non. Mais non, mais essayez pas de me teaser. Vous voyez bien que voilà, quoi. C'est mort. C'est mort. Mon père m'aiderait là-dessus. Il signe Andy. Voilà, quoi. Moi, je dis, c'est une souris qui vibre. Non. Mais vous pouvez continuer parce que ça reste dans le domaine du gaming. Alright? Ça reste dans le domaine du gaming. Mais ça n'existe pas. L'objet n'existe pas en tant que tel. Donc, c'est pas un clavier qui fait ça, ou une souris qui fait ça, ou un tapis qui fait ça, ou un écran qui ferait ça, ou un truc qui fait ça. Non, il n'existe pas le truc. Une souris avec trois boutons pour cliquer. Mais non, je viens de le dire, trois, putain, il y a déjà trois boutons sur ton machin, il faut appuyer sur la molette. Ok, bon, les amis, essayez pas de me. De gratter là, alright? Let's go, les amis, pour le clip react, ok? En avant. Oui. Donc n'oubliez pas, si vous avez du monde comme ça, Discord. Une souris avec un joystick, ça existe déjà. Mais ça c'est nul. Ça c'est essayer de combiner deux trucs et tout, une souris avec un joystick. C'est le même truc que ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Un clavier avec un repose-mug sur le côté. Mais oui, mais d'accord. Un clavier avec un touchpad sur le côté. Ah, tu vois, ça existe déjà, tout ça, ça existe. Non, là, ce produit-là n'existe pas. Il n'y a pas de « ça ressemble à peu près à ça ou pas », c'est « from scratch ». Jamais personne n'a fait ce truc. Jamais. Une arme à feu pour tirer sur l'écran quand t'en as marre. Exactement, ouais. Un écran incassable. Ça, ce serait bien, ça, tu vois. Tu pourrais le faire, ça, tu vois. Des écrans un peu... Des écrans, on appellerait ça les Rage Screen, tu vois, j'ai déjà le nom, tu vois. Après, Asus ROG, Asus Rage. Et puis c'est parti, quoi. Le copyright n'a pas été déposé. Le brevet n'a pas été déposé. Voilà, quoi. Après, les copyrights, machin, les droits, le nom, etc., je m'en bats les couilles. Ça peut s'appeler Projet Mon Cul, et ça me ferait rigoler, quoi. On va déposer le Projet Mon Cul, quoi. Le problème, c'est le brevet sur... Le truc sur la pièce en elle-même, sur l'objet en lui-même, et s'assurer que personne ne puisse le copier de près ou de loin. Et ça, c'est dur. Voilà, quoi. Un écran qui te met des grandes claques. T'imagines? Dès que tu rates, tu as un kill. Bam. Merci Flo, Paiko et Pussy Baby, en tout cas, vous êtes, et Unim aussi, vous êtes des bons, les amis. Ok, bon, let's go sur du clip react parce que je peux pas jouer avec ce clavier tout pourri là. LOL, que je vais redonner du coup. Le Corsair est déjà parti. J'ai reçu un mail ce matin. D'ailleurs, en parlant de ça, je dois recevoir tout à l'heure. Si je dois m'absenter, les amis, c'est parce que j'ai une livraison qui arrive. Vous en saurez bientôt, bien évidemment. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Il y a une petite livraison qui arrive. Enfin, nom de Dieu. Alright. Une souris qui capterait tes... Mais déjà, ça sert à rien. C'est pas une souris, ok? Pas une souris, c'est pas un clavier, c'est pas un tapis de souris, c'est pas un écran, c'est pas une caméra, c'est pas un stream deck, c'est pas un Go XLR, rien de tout ça. Ok? Un écran ventilo. Oh putain, vas-y, vous me saoulez. Ok, let's go. Les clips. Merci évidemment. Hey Skinny pour les 13 mois de super étudiant du campus de la Salty Academy. Et bordel. Toujours présent, on continue d'emmener tout ce campus Tostop 64 Tostop. LOVE 64 LOVE. Merci poulet. Onizuka nous a envoyé un petit clip là. Let's go. C'est quoi ce truc? Ah ben non, mais ça c'est les clips... Pourquoi il a envoyé ça? Mais ça c'est hier ça. Ça existe les one tap sur console? Oui, arrêtez ça, c'est nos clips, les amis, avec les joueurs console. Le one tap sur console, oui, et ça a un nom bien particulier sur console. Ça s'appelle la chance. C'est vrai, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Arrête de tirer tout le temps sur les consoles, c'est vraiment pas drôle et tout. Alors que franchement, si tu savais, il y a des mecs qui sont à la souris et pourtant à la manette et ils défoncent des mecs. Oh la grenade, vous la sentez la grenade?
Bah voilà. C'est Mopize. Mopize, t'es là ou pas? Juste un truc, Mopize, j'ai oublié de te dire. Voilà. Il est parti pour son projet. Il est parti à la salle. À la salle, lol. L'autre, il est gaulé comme une ablette. Ok, eh ben c'est un bon clip de merde, Mopizin. Bravo, bien vu. Fais plutôt de la muscu. Ok, qu'est-ce qu'on a là? N'oubliez pas, pas de musique. Gens. Oula, attends. Il faisait quoi, le deuxième, là? Il était déjà rentré. Ok, mais là, lui, il a pas de... Il a pas bindé sa touche de tir. Oh la vache. J'ai fait un carré, gros. Mais c'est une chasse au terreau, le truc. Oh la vache, mon gars. Alors... Je sais même pas comment t'as pu faire ça. T'arrêtes ou pas, gros? Ace magique. T'as mal orthographié merdique, hein? Ah bah si. C'est l'ace le plus claqué de l'histoire de l'ace. Hein. Vous avez regardé mon clip? Oui, Mopize. Ouais, on a regardé ton clip. T'es prêt? Tu regarderas sur YouTube? Il y a ça qui sort bientôt. Je dis ça, je dis rien. Hein? Mopize. Avec cette tête, Mopize. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? T'as regardé mon clip? Tu vas spammer encore longtemps, petit enculé? Alors? Quoi, alors quoi? Ah ok, ton clip c'est de la merde. T'as mis un double kill à la grenade. Va falloir que tu level up, mon loulou. Hein. Si tu m'envoies des clips comme ça, c'est... Voilà quoi. Après tu vas nous envoyer quoi? Des aces au shotgun où les gens te rushent dessus? Chasse au terreau là? Non, c'est mort. Vas-y, faites-moi rêver un peu là. Non, j'ai rien. Encore un bien. Non, serveur. Mort. Bah dites donc. Ils se sont tous jetés dans le viseur. Pareil, il n'y en a aucun qui a tiré en face. Vous avez des gens très pacifistes hein, dans vos games, j'ai l'impression quand même. Ah, fuck. Wesh, mais... Les gars, y'a pas de barbelé Oh merde. Ça c'est la D, ça par contre. Ouais, je me dis, il est bizarre la finca. Ouais. C'est bon. Dans une chambre. Tu vois, y'a Oza. Ça va arriver d'en bas. Ça arrive full striptease. Full. On a tout le round. Ah, nouvelle vidéo sortie sur la chaîne YouTube. Mais quoi, il meurt pas? Je coach Mopize. Allez la voir. Il meurt pas. Ah putain. Bon, vas-y, c'est pas bon. Voilà. Ok, on l'avait raté. Hein. C'est un...
Ok. Merci. La blague. Ah gros, mais un coup de pompe corps à corps, le mec ça le tue pas, je comprends pas. Bref, on va arrêter de jouer ce mec. Bien joué gros, t'as fait le taf. Merci Spectre pour les 29 mois de frais de scolarité. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même très déçu. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Vous vous êtes passé le mot, les mecs, c'est ça? Hein? Je vous ai demandé des clutches et des trucs comme ça qui tapent un peu. Et vous m'envoyez ça? Vous voulez niquer ma journée? Hein? C'est ça le but? Non mais dites-le. Qu'on le dise tout de suite. Vous avez envie de niquer ma journée, ok? Je le sais. Comment c'est possible? Non. Non, les mecs, non, vous pouvez pas. Non. C'est pas parce que c'est un V4 que c'est forcément beau quand les mecs sont complètement cons en face, quoi. Il y a zéro possibilité de perdre ça, normalement, en face. Genre zéro, en fait. Les mecs, ils avaient tous envie de mourir. Tu vas être refait quand tu vas voir mon clip. Non, mais les mecs, franchement, level up vos clips, quoi. Je suis désolé, mais... Zayato, c'est bien. C'est bien. Eh, hey, hey, je vais faire un guess my rank, les amis. Et vous avez pas le droit de mentir. Vous savez quoi? On va faire un guess my rank. Et vous avez pas le droit de me mentir. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que la personne ne nous ment pas? Il me faudrait à la limite quelqu'un dans l'oreillette et qui me dise je suis allé voir son truc et voilà quoi. Qu'est-ce qui est dispo là dans les surveillants là et qui veut R6 traquer? Et qui balance de l'alt-tab rapide. Ben viens, Sinaz, au lieu de me dire « je peux pas tout faire ». Vous allez tous me mettre R6 Tracker. J'ai compris que c'était R6 Tracker. Je vais pas juste claquer des alt-tab à chaque fois, aller rechercher le truc. R6 Tab. Mais ils vont tous me mettre les trucs. Mais... Oui, j'ai compris. R6 Tab, Star Hacker. Est-ce qu'il y en a un qui veut venir sur le Discord, une âme charitable, et qui va venir en vocal, et qui va venir du coup me dire « Non, lui, il est comme ça. » Ce qui nous fait gagner du temps. Production supérieure, les viewers s'emmerdent moins. Merde. Je veux bien, mais je suis pas surveillant. Eh, toi, Deltardos, tu vas devenir surveillant. Hein. Lionel. Lionel, il va devenir suivi. Ah, Kenny arrive. Attends, Kenny. Ouais, il n'y a pas possible. Enfin, quelqu'un d'un peu plus... Bonjour. Bonjour. Vous foutez quoi, vous, là? Bah, nous, on est là. On est là. Grosse réponse. Vous foutez quoi, vous, là? Réponse, bah, on est là. Bah, ouais. Non, c'est tout. C'est de la réponse, ça c'est de la... T'as regardé ta vidéo, toi, je coach Mopiz, là? J'ai pas eu le temps, je suis trop occupé. T'es occupé par quoi?
Là, bah là, j'étais à la salle. Ah, tu es pas resté longtemps, hein? Mais tu es allé de quelle heure à quelle heure? Non, mais j'ai été me renseigner. Je suis allé me renseigner. Voilà. Ok. Et alors, tu t'es renseigné? Et alors, du coup, c'est bon, t'es bien renseigné? Ouais. Et du coup, tu t'es renseigné sur quoi? Si je pouvais m'inscrire ou pas. À 15 ans, c'est chaud quand même, non? Non, non, j'ai le droit. Ok. Et je suis de ma gueule, lui. Va voir ton médecin traitant avant. Moi. Elle a mis que. Quoi? Non, rien. Et donc, tu vas t'inscrire ou pas? Je vais en parler à mes parents, mais peut-être. Pas sûr. Parce que c'est cher cette merde, en vrai. Combien? 20 euros par an? Par mois? Moi, non, bah c'est 230 à l'année. Oui, c'est ce que je viens de dire en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bah ça va, non? Bah je sais pas, au pire. Eh, Claude, pire, il peut raquer un peu, non? Bah non, mais au pire, mon frère, il me coach. Ton frère, il te coach? Ouais. Tu sauras faire des pompes après. Tu vas à la salle sans prendre pise, de coach. Écoute-moi bien. Tu veux m'écouter ou pas? Donc, Je suis ton coach de vie, ok? D'accord. Ne va pas à la salle. Ok? Jusqu'à 18 ans, pendant les 3 prochaines années, vas-y mollo. Et quand je dis mollo, tape sur internet méthode Lafay. L-A-F-A-Y-E. Personne d'autre. L-A-F-Y-E. Non, ça fait Lafay. Et j'ai dit Lafay. L-A-F-A-Y-E. Ouais. Tu trouves? Attends, faut que je mette YouTube peut-être. Non, non, parce que ça va être. Non, non, non. Non, trouve le truc. C'est un bouquin à la base. Right? Ah. C'est pas grave, il y a des gens qui vont peut-être le faire sur YouTube. Mais essaie de trouver quelqu'un bien. Et juste ça. Ouais, genre, je l'ai fait. Oh non, Six, tu l'envoies dans le mur. Non! Mais non, mais c'est très très bien. La méthode l'a fait, c'est très bien quand t'es jeune. Franchement, développement avec du poids du corps. T'as pas besoin de taper là, machin. Ouais, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la petite veine et tout. Et d'avoir la petite veine, ça te sert à quoi, mon gars? Et pourquoi on voit ta tête, Sinaz? Hein? Mais qui t'a... Mais cela, mais où est-ce qu'on a été les chercher, ces deux-là, c'est encore? De la course à pied, abdos et pompes. Non, franchement, quand la course à pied, c'est un truc à part. La course à pied, c'est un peu comme jouer au shield sur Rainbow Six. C'est un gameplay à part. T'aimes ou t'aimes pas, tu vois? T'aimes ou t'aimes pas? Mais lui, il est gaulé comme une ablette, là. Il bouffe des kebabs à longueur de journée et il prend pas un pet de gras. Bien évidemment, c'est bien pour le cardio. Ok, on est d'accord. Mais t'es pas obligé de taper la course à pied. La course à pied, c'est cool. Si t'aimes, vas-y, fais-toi kiffer. Tu vas kiffer, c'est une drogue à la fin, c'est génial. Vas-y, franchement. Mais c'est aussi l'un des meilleurs moyens de se dégoûter du sport. On peut pas dire le contraire, franchement. On peut pas dire le contraire. C'est quand même un bon moyen de te dégoûter du sport. C'est soit tu kiffes parce que la sécrétion d'endorphine, etc., te fait kiffer. Et donc, tu as des gens, ils vont te dire oh, mais non, mais tu connais pas, franchement, moi, je l'adore, 6h du matin. Ouais, moi, je l'ai été, je comprends, etc. Mais c'est aussi un moment où, bam, le jour où il y a un contre-coup, terminé. Rideau, t'en veux plus. Vraiment, c'est l'un des meilleurs moyens de te dire putain, c'est casse-couille, en fait. Parce que, mine de rien, la course à pied, c'est chiant. Tu vois? Donc c'est à double tranchant la course à pied et c'est un peu binaire quoi. T'aimes ou t'aimes pas, hein, voilà. Mais autrement le reste. 30 balles là... le livre. Quoi? 30 balles le livre. C'est un mois à la salle. Ouais. Développement poids du corps. C'est tout. Parce que le problème mais c'est un truc de 2004. Ouais, et ben c'est très efficace. En 2004 Schwarzenegger, il était quand même là, tu sais. Bon, il faisait pas du Lafay, mais bon. Il bouffait pas que du poulet non plus. Right? Déjà, si tu arrives à comprendre comment ça marche, parce que le problème de nos jours, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans des salles de sport et qui ne comprennent absolument pas comment ça marche déjà. Il faut que tu comprennes comment marche ton corps. Right? Et pas que t'écoutes, et tu écoutes là des influenceurs à la con là, qui disent « Oh, mais l'abandon, c'est... » Non, non, déjà. La meilleure des musculations, elle passe par une phase de biologie. Quoi. Voilà quoi. Et bien évidemment, de comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut manger, etc., etc. Donc, c'est d'abord la nutrition, ensuite la musculation, dans cet ordre-là. Autrement, tu vas faire de la merde. Et tu vas te dégoûter. Et tu vas dire, oh, je comprends pas, je prends rien. Voilà.
Merci oh, Spectre le pour les 29 mois et merci Taeko pour le fait d'être un nouvel étudiant. Quoi ? Prends le brochet ou le poche ? On s'en fout, poulet. On s'en fiche. Au pire, regarde sur YouTube s'il y a vraiment des personnes qui le font bien, quoi. Mais juste qu'on regarde ça. Et voilà. Bon, allez, on y va, là. Qui est-ce qui fait le R6 Tabs, du coup ? Pas pire, yes. On en fait un chacun. T'insinues quoi, Six, en parlant du poulet ? Bah, j'insinue que Charles Zeneguer ne prenait pas que du poulet. En fait, j'insinue rien, moi. Moi, tout est clair, en fait. Il n'y a pas de... Tu vois ? J'ai dit, il prenait pas que du poulet. Ça veut dire, il prenait pas que du poulet. Donc, ça veut dire que c'est soit des protéines concentrées, soit de la créatine, avec des choses qui sont toujours en fonction de la moralité de chacun, à la limite de la moralité, allant jusqu'à pousser, jusqu'à se piquer deux, trois fois, quoi. On le sait, pour le coup, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des personnes pour qui, dès que tu vas prendre de la protéine en poudre, c'est déjà plus naturel, tu vois ce que je veux dire ? Et je veux pas rentrer dans ce débat, j'en ai rien à foutre que ce soit de l'isolate de lait ou ce genre de truc-là. L'important, c'est juste de comprendre ce que tu manges, tu vois. L'important, c'est juste de comprendre. C'est tout. Voilà. Il faut juste comprendre. Comme tout, en fait. Voilà. Allez, je faisais beaucoup de la course à pied, je me tape un syndrome des loges maintenant. Je dois faire une grosse opération. Un syndrome des loges ? C'est quoi un syndrome des loges ? Maintenant, je fais des trucs comme le canoë-kayak qui bouge les bras. Ben ouais, et au moins, tu te fais pas chier, quoi. Voilà. Ça marche aussi pour les personnes en surpoids. De quoi ? La fait ? Ben oui, ça marche pour tout le monde. Mais déjà, s'il y a un problème de surpoids qui est réellement identifié dans ta santé par ton médecin comme étant un surpoids, parce que c'est pas Instagram qui décide que tu es en surpoids, c'est ton médecin qui va te dire que tu es en surpoids. C'est une condition médicale d'être en surpoids, tu vois. La normalité, c'est des courbes. Hein. Je définis pas la normalité sur des critères de beauté. C'est des courbes. T'as la normale, surpoids, et après obésité, obésité morbide, etc. Quoi. Donc déjà, surpoids, c'est une condition médicale. D'accord ? C'est ton médecin qui définit que t'es en surpoids. Donc déjà, va le voir. Il va calculer, il va te dire, il va te dire effectivement, est-ce que t'es en surpoids ou pas, quoi. Parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression d'être en surpoids qui sont pas en surpoids. Parfois, t'as des personnes qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont pas du tout en surpoids et qu'ils le sont au final. Hein ? Voilà. Je suis considéré comme obèse selon les médecins. Bah, si tu es considéré comme obèse selon les médecins, il n'y a même pas besoin de parler de sport. Sauf s'il y a des conditions... Après, je ne suis pas un spécialiste. Mais s'il y a des conditions... Si tu as l'obésité... Et moi, je faisais 102 kilos quand j'avais 17 ans. Donc, je n'ai jamais été en obésité. Mais il y a eu un moment où j'étais en surpoids, tu vois. Et 99% de la perte de poids, c'est la bouffe. Faut arrêter de se dire, je vais aller courir. Tu vas courir alors que tu es en surpoids. Oh, bah, génial. Amuse-toi. Amuse-toi, tu vas être content. Tes genoux vont être contents, tu vas te dégoûter du sport, tu vas être dégoûté de tous tes amis qui t'ont dit « va courir ». Bah, il n'y a pas pire que le conseil de dire à quelqu'un qui est en surpoids d'aller courir. C'est horrible, en fait. C'est horrible. Tu peux rien faire, t'es à bout de souffle. Vraiment. À la limite, tu vas marcher, quoi. Mais non, non, non. Déjà, la bouffe. S'il y a un surpoids, s'il n'y a pas réellement une condition médicale qui fait que t'es en surpoids, tu vois, bah, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'alimentation. Et je ne pointe pas du doigt quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a un problème dans l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le liquide et le solide. Voilà. Syndrome des loges, c'est lorsque la pression dans un plâtre, par exemple, est trop forte, ce qui fait des ulcères, des déchirures. La pression dans un plâtre ? J'ai jamais entendu ça, moi. Hein ? Pensez à bien boire au soleil si vous faites du sport aussi. Je me suis pété les tendons de l'épaule à cause de ça, perso. Bah ouais, ouais, ouais. Anyway, bon... Mais le dopage, ça veut rien dire, Cro-Rami. Il y en a pour certains, tu prends un milkshake hyperprotéiné, c'est déjà du dopage. C'est quoi le dopage, en fait ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça s'arrête ? Tu sais, dans l'inconscient collectif, le dopage, ça veut dire piquer, tu vois ? Ça veut dire intervention d'une piqûre, tu vois ce que je veux dire ? Mais pas vraiment, au final, tu vois ? Et je connaissais pas le truc du syndrome des loges. Anyway ! Hein ? Personnellement, une alimentation 750 watts, ça suffit largement. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, ça dépend. Il faut du gold ou du platinium quand même. All right. Les pilotes moto, ils ont souvent le syndrome des loges à cause de la pression qu'ils mettent sur les bras. Ah ouais ? Attends, je savais pas ça. On en passe du stream. J'ai déjà pris un shaker de 2000 kilocalories, ça fait pas du bien. Putain, la vache. Tu m'étonnes. Eh, ok. Bon, on s'en fiche. Du coup... R6 Tabs, t'es dessus, yes. Kenny, j'ai commencé, ou pas moi. Ah ouais, vous avez déjà anticipé les trucs ou quoi? Ah, sinon, c'était un monstre. Mm-hmm. Du coup, lui, c'est... On va regarder. Les gars, y a pas de barbelé... Oh, merde.
Vas-y, vous pouvez mettre votre caméra si vous voulez en haut. Hein. C'est pas plus mal au final. Ok. Il est parti l'autre? Ah ouais. Et Skelly s'est barré. Siskat, qui est le plus grand sportif de l'histoire selon toi? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais putain, pas. Putain, mon téléphone s'est cassé la gueule. Ah bon? Merde. Sinas, t'as déjà trouvé? Mettez les cams sur Discord si vous voulez. Putain. Je remets mes champignons ou pas? Oui, si tu veux, remets tes champignons. Ils ont manqué à tout le monde. Le scotch, il tient plus. Mais quoi, il meurt pas? Dans cette... Un coup de pompe, il meurt pas? Ah oh, putain. Bon, vas-y, c'est pas bon, vache. Bon, là, on va avoir le petit bug, là. Hop là! Hop là! Bon, vas-y, c'est pas bon, vache. Et du coup, quand il hop le termine, là. On va voir le nom. Ah putain, c'est con. Ah, je te mange les pieds! Je te mange les pieds. Ouais. Ouais, mais je trouve pas, en fait. Avec des majuscules. Bah ça prend pas la casse si sur R6 tab. Ça... Non mais les gens quand ils mangent et qu'ils changent de pseudo ça va être enflé après. Il a mis A pour reload. Ah ouais, ouais. Ouais il a mis aussi autre chose pour tirer. C'est pour l'arme secondaire. C'est pour l'arme secondaire. What? C'est chaud non? Ah non t'en fous tu fais avec la molette. Bah, what? Pour l'arme secondaire, la molette? Jamais tu utilises la molette, 1, 2, 3, 4, 5 là. Dans aucun jeu, tu utilises la molette. Non, bah, l'utilise pas, arrête. C'est bon, il y a ma caméra. Va falloir qu'on parle de tout ça d'ailleurs, vous là. C'est bon. Vos settings là. Ouais. Moi, j'ai à peu près plus ou moins. Merde, j'ai pas mis les champis. Attends. C'est dans quoi déjà? Merde, non c'est pas ça. Là! Non, seul. Bon alors la meuf de 22 ans, Sinas, tu nous en parles en live ou pas? Ah ouais, ça donne quoi ça? Pour l'instant ça avance pas trop. Hein. Ah le crack. Ah le petit crackito. Pas... Sans plus. Vous parlez mais sans plus quoi. T'inquiète, ça travaille. Tu travailles? Ça strat ou quoi? Je travaille. Ok. Ouais, je suis un strat à Oregon là. Hein? Ah ouais, ouais, ok. Okay. Je trouve pas son pseudo par contre. Attends, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Je voulais faire un truc, ça avait l'air intéressant sur le papier et je l'ai plus en fait. On regarde les ranks des gens des clips. L'autre il pécho des meufs de mon âge. Non mais voilà quoi. Regardez-le avec son petit sourire là. Ouais ouais. On pense quoi un peu. Il chope des cougars. Sinaz. Strat Oregonzès. Ouais. Va sur R6Tab. J'y suis. Bridge du T1, tout ça. Le coquinou. Après les mecs sur Inem, tu peux plus les trouver. Bah après il faudrait que les gens non. soient là et me disent honnêtement c'est quoi leur grade quoi tu vois. Il a dit. Hein? Tu pues des pieds. Il a dit tu pues des pieds. Comment ou alors qu'ils nous donnent leur nom. Essaye de trouver et de demander aux gens leur grade directement plus leur R6 tab s'il vous plaît. Sur Discord, dans le truc React, tu vois ce que je veux dire? Qu'on enchaîne. C'est bon j'ai trouvé. Ok attends, bouge pas. Et j'ai entendu un jeu. Gold 2. Non. Gold 3. Non plus. Gold 1. Non, il est jamais Gold 1. Lui. Non, il est pas Gold 1. Vas-y, bah, mais par rapport, t'as retrouvé le R6 tab ou c'est ce qu'il dit? C'est ce que le mec a dit dans le chat. Oui, mais attends, mais son R6 tabs. Non. Les deux dernières saisons, il était Gold 3. Gold 3, un truc comme ça, non? Tu veux que je te cite tout là? Ouais. Ouais, mais il a commencé à y aller. Mais fais une moyenne sur les 3 dernières saisons. Ok, donc. Hop. La moyenne, elle est bizarre. Un coup de pompe corps à corps, le mec, elle du bronze. Je comprends pas. Du silver.
En moyenne. Ouais. Bien joué, gros, t'as fait ça. Silver, gold, bronze, gold. Silver. Et du coup, c'est quoi la moyenne? Bronze, c'est ça, bronze, c'est ce que je viens de dire. Gold, bronze. Non. Ghost, gold, silver, bronze, gold. Bronze, gold. Bah gold, bronze, gold, ouais. Gold sur les bah, derniers. Ça fait silver. Oui, non, ça mais fait ça, fait, ouais, ça fait gold 3, c'est exactement ce que j'avais dit. Non, ouais, c'est comme ça que ça se passe, ok. C'est pas linéaire. Et c'est moi qui décide. Ok, du coup, on regarde en dessous. Let's go. En dessous, je l'ai déjà. Arrête, t'es en 440p et on dirait que t'es sur un carreau, mec. Merde, pourquoi ça bug comme ça? Ah, mais parce qu'il y a tout qui bug chez toi, mon loulou. Ok, clip react, non, c'est parti. Non, c'est les champignons, ça casse ouais, tout. Ouais, bah oui, ça fait... Ouais, 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 ça, c'est clair, les champignons. Souvent, ça fait bugger. Je sens que tu vas trash la qualité du clip. Ok, attends, laquelle? C'est Mash, non? C'est Zeré Bouyakov. Non, Zayato, ah oui. Ah oui, Zeré Bouyakov, là. Attends. Déjà, il est sur PC. Il a enlevé le chauve. Ah bah non, putain, on est en truc là. Toi, tu l'as là, c'est bon, t'as son R6 Stabs et tout? Ouais, je l'ai. Ok, il joue sur les serveurs. De test. Russe. Non, de test. Il entre. Ah non, c'est la bêta, mais non, c'est parce que c'est le replay qui est en bêta, ça me fucked up à chaque fois, cette merde. Ah. Vas-y, attends, je vais te dire. Il a laissé la grosse réverbération, il a de la chatte, son crosshair placement est pas bon. Il peut pas être plus de diamant, c'est impossible. Ouais, non, il est pareil que l'autre, gold 3. Ouais. Il est quoi? Gold 3. Allez, mais le clip date. Et alors, moi, je te dis, là, par rapport à ça, là. Suivant. Eh bien, tu remontes un peu. Attends. Remonte quoi? Bah, si tu remontes, il y en a encore un, moi. Mais remets-le en bas. Un seul agent allié en ligne. Ok, ça joue Finca Batteuse. Bam, la tête, elle part direct. Zbram. Et G, W, nana. Mm-hmm. Ça va sur Medal TV. Trim. Ça fait des ZQSD, c'est sur PC. Et ça, et déjà, rien que sur le bureau, ça met le... ça a la touche. Rien que sur le bureau, le doigt est au... La main est au bon endroit. Ah bah ouais, vous le voyez, ce genre de truc, tu vois. Hein, moi, c'est pareil, tous mes dossiers s'appellent ZQSD, ZQSD, ZQSD. Mais ah ouais, les amis, moi, je regarde les détails, ok. Ça a laissé le show versus notification, c'est pas très grave. Ça joue sur Villa, c'est en ranked. Le pre-shot est bon, le crosshair placement est pas trop mal. Ça a du bon stuff déjà, parce que c'est affûté au niveau de la souris. C'est pas une souris de merde. Tu sens que ça décroche pas. Dernier agent, hop fort. Bon, maintenant t'as le temps, frérot. Ça dit frérot, du coup ça traîne avec les mauvaises personnes. Ouais, master. C'est pas parfaitement affûté, c'est pas champion, mais ça, c'est propre quand même. Ça, c'est le bas du diamant, je dirais. Ah, mais t'es là, Archery. D3, je dirais. Ah, ça peut pas être plate, c'est au-dessus de plate. Ah, enfin, ou alors ce serait dans les sommités de plate, parce que tu pars tout le temps en solo, mais les mecs te parlent avec toi. Donc tu peux aller gratter un D2 quoi, D2, D1 peut-être même, mais diamant je dirais. Ah mais je sais diamant, il est quoi, moi j'ai joué avec lui, je sais il est quoi. On est sur quoi? Bah vas-y, dis-moi Sinaz. Je l'ai pas son R6 Tracker. Moi ah, bah, je bravo. Sais il est quoi. Il a dit qu'il savait. Archery. Dis-moi. Ne mens pas Archery. Il me semble qu'il est D2 ou D3. C'est ce que je viens de dire. Non, mais pas parce que tu viens de le dire, parce que quand j'ai joué avec lui, ça m'avait choqué qu'il était diamant. Mais diamant comme champ, 4 saisons de suite, actuellement D1. Mais nique ta mère, c'est parce que tu pars toujours avec des potes. Vous êtes 5? Non. Attends, c'était une game de quoi, ça?
C'est pas une game de champ, ça, quand même. De cette saison ? Attends. Non, mais les setups sont bons et tout. Ah non, moi, je dis des deux là-dessus. Le bas de champion, alors. Tu vas gratter ton champion, mais bon, tu le grattes, quoi. Il est gratté. Il est gratté, ce champion. Il est gratté parce que tu pars à 3h du matin quand tout le monde est fatigué. Toi, t'as pas dormi depuis 2 jours. Tu prends du Red Bull et tu pars avec au moins 3 bonhommes. Il est gratouillé, ce champion. MDR, j'ai eu 5120 cette saison, 5500 la saison dernière. Eh mec, ça fait un an que je n'ai pas fait de ranked, donc je vois même pas à quoi ça correspond, donc je plaisante. Tellement ça me casse les couilles. Ok, bon, c'était... Bon, je suis désolé, du coup. Ouais, tout en bas. Ah ouais, mais non, mais j'ai pas regardé ça, putain, en plus. Pas regarder pour le coup. Ne le mettez pas. Balancez à la limite votre R6 tape dedans. Jouez le jeu. 1-6. Attends. Je vais pas aller tout en bas. Tu vas attendre, toi. Il y a du monde avant toi, ok. Il y en a deux. Attends. Il y en a deux. En tout cas, bon, Archery, je veux pas être méchant, mais je pense que tu te fais booster. Voilà. Je pense que tu te fais bien boosted. Voilà. C'est Gugri, mais je croyais que tu surveillais la porte. Moi, je me fais couper. T'as raté mon autre clip. Bah, ça sert à rien. Tu nous as dit ton truc. Tu nous as dit ton grade. Attends, c'est... Guess my rank. Ah, il y a deux écrans à gagner. Oui, vas-y. Je mets guess my rank, clique les héros. Moi, je suis pas non. Bam. Sympa. Ok. Attends, on va regarder ça. Mopis, tu vas nous dire, là. Oh ouais, non, de là où il arrive, c'est impossible de voir. Attends, sans tricher, sans tricher. Il y a un dégage avec le truc. Ouais, je sais. Et moi, ça joue au Supernova. Génial. Ouais, non, c'est pas net. Droite, le mec à gauche, mais... ouais, ça a une résolution, c'est pas du 4 tiers, c'est quoi, c'est du 16 dixième, ça. En bas à gauche, il a mis son... Il a 45 FPS ou c'est ses battements du cœur? Je ne sais pas. Ça peut être les deux, je mets le truc. Honnêtement, vu les réflexes, je pense que c'est les battements du cœur. Je pense que ça va pas vite. On est sur l'ancienne saison. C'est un vieux clip, puisqu'il y a encore sur les icônes le... Les petits contours là. Et même la cam elle est rouge. La cam elle est rouge. Ah, la cam quand il est remonté dans le truc. Ouais. Pas ouais. J'ai l'impression qu'il joue manette. Non, je pense qu'il pue juste la merde. Oh. Ok. Argent 5. Quoi? Argent 5. Ça existe, Argent 5? Oui. Non, oui, les placements le placement des shields et tout, machin. Attends, c'est quoi dans l'ordre déjà? C'est bronze, silver, gold? Copper, bronze, silver, gold. Ah, mais il n'y a pas copper avant, je crois. Champion. Maintenant, copper est bon. Copper, c'est cuivre. Donc, c'est bronze, cuivre. C'est quoi dans l'ordre? Bronze, cuivre, silver, cuivre, gold. Bronze. Bon, ça fout, c'est pareil. Silver. Cuivre, bronze, silver. Bah, il est silver 3, lui, non? Cuivre, bronze, c'est silver, gold, platine. Oui, c'est un silver. Je pense que c'est un silver. Silver 3, c'est son plus haut rank. Silver 3, c'est son plus haut rank? Oui. Ah, t'as regardé, là? Et il a fait moyenne de combien? Ouais, mais je l'ai déjà. Bah, il a fait que de monter, entre, forcément. Mais il a commencé dans le bas-fond du truc. Et il était Silver 3 année 4. Ok. Donc là, il... Et là, le dernier truc, là. Le dernier, c'est... Il est quoi? Copper 5. Ouais. Copper, ça existe? Ouais, ça existe. Ok. Ok. Ouais, c'est... Ils sont top. Faut qu'il y ait quelqu'un... Et Nomad. Oula, alors déjà...
Il filmait avec son téléphone. Ouais, on dirait un... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, là. Regarde, on voit Mars à côté, en bas à droite. On voit Mars. C'est quoi, ça? Il c'est filme Mars. Son téléphone, mais il bouge pas du tout, donc ça m'étonne. Et Buck, mais il Buck dans les salles. Buck escalier. Je n'ai pas lu son Instagram. GG, Buck mort. Maintenant, il y a Nomad. Les calls sont bons. Nomad et... Qui a peur en feu, là? Wesh. Mais qui a peur en feu, là? Oula, ça a 12 ans, max. Ça va. Oh là là. Merde, y'a les miras. Nomad, elle est très loin. Ils sont à 5. Ouais. Donc non, c'est un peu mec, plus. Une balle, une il y a balle. Des bonnes rotations. Même de loin. Nice. Oh, let's go. Ça peut être max platine. Quel monstre. Oh mais gros, t'es un monstre. Ça peut être max platine, mais plutôt le haut du gold. Un gold de. Un gold de 1. Gold 2. Gold 2, gold. Un gold 1. Gold 1, je dirais. J'ai un gold 2. J'ai pas son rank. Ah merde. Illisible. Iskix. C'est vraiment illisible. T'es là ou pas? P2? Oh non. P3, je pense. Ouais, attendez, gold 1, P3, ça va. Il y a un delta de 1 quand même, quoi. Gold 1, P3, en fonction du fait que tu passes une bonne journée, que t'échappes aux cheaters, que tu joues sur les serveurs soit US, soit FFR, bon, ça va. Mais ouais, dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux-là, je dirais. Des mécaniques de P3, après le reste, je sais pas. Mais c'est qui? Il est là ou pas? Vas-y, bah s'il est pas là, bah fuck. Désolé pour la qualité. Bah, mais on veut vous rank, les mecs. Donc mettez le... Ah, il a mis le R6 tracker, lui. Enfin, un mec bien. Oh là, c'est propre, ça, dites donc, là. Ouais, oh. Mec est youtubeur ou quoi? Enchaînement de 3 kills. Ok. C'est récent, il y a des amis. Le setup est pas si déconnant. Bon, why not? Voilà, quoi. 25 de ping, 225 FPS, on n'est pas sur un PC tout flingué. En bas à droite, on ne sait pas ce que c'est, il y a un truc d'arty. Ça met des goyots à peu près au bon endroit. Attends, je vais voir à quoi ça mène. Il y a un bon replacement, déjà, ça peut pas être en dessous de gold. Déjà, c'est pas possible. Ouais, et le... Il y a déjà... Bon, c'était pas ouf parce qu'il n'y a pas les têtes, etc. Mais il y a quand même le fait de réagir tout de suite à la grenade et de savoir... Il y a un micro... la micro-décision, là. La prise de décision qui est extrêmement bonne. Ça, c'est P2, je pense. P2. P2, P2, P1. Ça a le charme de la Salty Academy. Donc, c'est plutôt dans les Platinum parce que les Platinum, ça va. Après, les gens commencent à devenir bons et ils commencent à se la raconter. Ils vont sur un autre Discord en trois lettres. Ça commence à devenir des petits fils de pute. Ils mettent des hentai dans leur profil et ils enlèvent le charme de la Salty Academy et ils mettent un skin de BDS. Donc là, on n'est pas dans ce schéma-là. Il doit être P2, je pense. Ah P2. Bah, ça mène sur un attends. Ça peut être au-dessus, hein. C'est dur à dire. Hein. Donc là, il peut être P2, il peut être P1. On peut même aller gratter un bas de diamant. C'est dur à dire sur un clip si petit, quoi. Je l'imagine pas gold, ça c'est clair. Et je pense que je peux augmenter jusqu'à P1 pour avoir un truc qui serait pas trop mal, en fait, pour avoir un D3 P2. Voilà. Ok, je t'ai dit du coup. Bah ouais. Il est diamant 3 cette saison. Ouais. Et gold 1 la saison. Ouais, mais bon. Gold 1 sur diamant 3. Non, non, non. Non, ça se voit. Les mécaniques sont bonnes. Le aim est bon. Le machin est bon et tout. Non, non. Gold, il est pas dans sa zone. Tu vois ce que je t'ai dit. P2, P1. Qui peut même aller gratter jusqu'à un diamant en fonction du truc. Ça se voit, hein. Ça se voit, ça. Moi, je dis P3. Non, bah j'avais bon. Vécu le truc du Discord en trois lettres et tout. Ah non, les amis, c'est la Salty Academy. Quand je peux balancer un scud pour rigoler, je le fais, quoi. Je m'en fiche. Tant que ça va dans le sens de Rainbow Six, moi, ça va. Ok, tous les Discord, tous les trucs, tous les machins qui aident Rainbow Six, ça me va. Ça, c'est mon disclaimer, ok. Après, ça m'empêchera pas de balancer des blagues. Alright. Bon, Jackson.
Alright, attends, Jackson. Oza fait le taf. Il a 82 abonnés. Mm-hmm. Il sait à peu près écrire français, ce qui est déjà pas mal. Donc du coup, on n'est pas sur console. Il joue en 16/10. Il a mis son truc en bas. Il a 242 d'FPS. Donc déjà, il sait bloquer ses FPS. Parce que ça va pas bouger. 2, 3, 8, etc. Il sait bloquer ses FPS. Il les a bloqués à 2,42. Ce qui est logique. Il doit avoir un écran 240 Hz du coup. Le setup est pas déconnant. La OSA, tout là n'est pas déconnant sur ce qu'on est en train de voir. Quoi. Après, ça manque d'un fil barbelé. On voit que ça a pété ici. Mais le Frost a été envoyé. Le Flores a été envoyé. Et ça, c'est deux possibilités. Soit c'est Flores qui a fait péter le truc bleu là, la bâche. Mais je ne sais pas, je pense pas que ça pèterait comme ça, je pense qu'il y aurait du noir. Ou alors soit c'est le défenseur qui est à gauche et qui la shotgun le truc bleu là. Parce que si vous regardez les équipes pro, elles vont avoir tendance à enlever la bâche qui est à gauche parce que le son n'est pas le même qu'on marche sur la bâche bleue ou qu'on marche sur le truc là. Or ça c'est destructible, cette bâche là. Et donc de temps en temps, on peut avoir des mecs qui vont qui peuvent enlever la bâche bleue qui est à gauche ou celle-là pour en fonction de la situation si tu as envie que ça fasse plus ou moins de bruit. Donc ça peut être indicateur de ça joue pas trop mal. Le drone à droite, bien. Visiblement, on a pris l'info à gauche parce que ou alors on est vraiment nul, mais je pense pas. À gauche, il y a rien du coup, j'imagine. Ouais. Ça m'étonnerait. Bon, c'est clairement un Flores, hein, mais je pense pas que ce soit le... Bah ça fait un cercle, donc... Oui, mais il y avait peut-être une volonté d'enlever la bâche. Déjà, ça peut pas être en dessous de Gold, c'est impossible. Enfin, après, c'est pas, hein, tout est possible en soi, mais... C'est affûté, ça joue sérieux. Ça a pas pris le contrôle de la tour rouge du coup, c'est inadmissible. Surtout quand on est en 5v5, on avait visiblement envie de faire un fast push. Finca, ouais quoi que non, c'est inadmissible ça. Ça, voilà quoi, à moins qu'on s'amuse, mais on perd 1-0. Donc on est, voilà quoi. Mais ça, balancer une smoke ici sans avoir le contrôle de la tour rouge et tout, à moins de faire un fast push derrière, mais là faut y aller. Là. Ça parle anglais. Le aim est pas si super affûté, mais c'est pas si dégueulasse. On push sur la smoke au final. Ok. P1, D3. Ouais, je vais être sympa, je vais dire D3. P1. Quoi, P3. Ah ouais? Ouais. La game, je la lose quand même au final. Ouais, j'aurais dû rester sur le pressentiment de ne pas prendre le contrôle de la tour rouge qui est assez un indicateur de on n'a pas vraiment envie de gagner, quoi. Parce que désolé les amis, si vous ne prenez pas la tour rouge sur Oregon, etc., c'est vraiment que ça ne sert à rien derrière d'avoir des explications, de vous expliquer pendant 3 heures, etc., de vous engueuler pour des trucs, etc. Ça ne sert à rien en fait, hein. Il y a un moment, c'est comme si vous chialiez après avoir pris 10 buts au foot et vous vous dites « Putain, merde, on n'avait pas de gardien de but. » Quand même, tu vois. Vouloir pusher aux endroits les plus difficiles à pusher, là, quand bien même on aurait une OSA, à moins que ce soit dans une logique de fast push, ouais, j'aurais dû rester là-dessus, P2, P3. Ah, ok. Là, je me suis couru. Alright. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, ah bah non, toi, Sinas, t'as déjà regardé. T'as un truc à nous, il est où? Il est au fond. C'est Len déjà. Ouais, il y a Len qui parle là. Donc ça joue avec Len déjà. Il y a le charme du champ. Non, il y a le charme de Diams, je crois, c'est ça. Hein. Ah, dites-moi, moi j'y connais rien en charme. Il est au fond. Ça joue avec un clicky là. Ou un MX. Je sais pas comment configurer mon micro. Niveau du minibar mort. D3. D2 obligé. C'est pas plate. Ça a été plate.
Ah, je dis D2 pour englober le D1 et le D3 du coup et rester dans le diams quoi. Mais je mets D2 là-dessus. Ouais. Le micro au-dessus du clavier. Non, c'est quand vous avez des micros. Si vous avez un micro là, ne posez pas vos micros sur la table les amis, ok? Parce qu'à chaque fois vous allez vous dire ouais mais je comprends pas, j'ai mis ça, etc. machin truc. Mais quand vous tapez avec votre clavier, c'est les vibrations qui font que ça déclenche votre micro. C'est pas le bruit à proprement parler, c'est les vibrations dans le bureau. Un micro, ça doit pas être sur le même... Le pied doit pas être sur le bureau, là. Si je tape dessus, ça ne se passe rien ici, non. Hein. Il met son micro... Tu peux acheter une table à côté du... Toujours, micro. Oui. Jamais tu mets ton micro sur le bureau sur lequel tu es. Jamais. Ok, alors bon. On est... Alors du coup, il est quoi? D2? Il est quoi? Oui, il est D2. D2? Pile poil dedans. On est bon. T'en penses quoi là, Mopiz? Dis-nous. Ouais. Il a caillou tout ça. Mais on s'en bat les couilles de ça. Bah alors. Il arrive, Maverick. Le tracker du mec. Non mais je disais que c'était Cali parce qu'il avait. Mais c'est Excelsior. Bah oui. Oui, c'est Excelsior, mais c'est Ovar qui a fait flip et c'est pour le club du mec en face. Il est dans le T1. Quand je termine là. Il est dans le T1. Mais je trouve pas son pseudo sur le RC Tracker. Ah l'enculé! Ah l'enculé! Tu m'as déconcentré. Ouais. Il arrive, Maverick, il est devant la cheminée. En fait, c'est parce qu'il y avait Kali en fait. Bon, alors vas-y, il est quoi ton collègue Mopiz? Il me semble qu'il est. J'ai trop. Il est mort, c'est bon? Non. What? Excel, il est le Silver 5 ou Bronze. Ah, il avait pas monté en même temps que toi ou Excel, ah, l'enculé! Ah, l'enculé! En même temps que toi ou Redor? Quand on est rentré du bootcamp, et il était Silver 4, je crois, il a fait une descente aux enfers. Et moi, je suis remonté tout seul parce que je passe mes après-midi à solo queue. Là, il a un niveau entre YouTuber et caster officiel. Il est Silver 5, là, Excel. On va pas regarder moi, on va pas regarder. Bon non. Il est dans le T1. Ok. Silver 5 oh. Et Mopiz, t'avais dit quoi? T'avais dit quoi Mopiz? Bah moi je pensais qu'à un moment il était monté G3. Non, va falloir qu'on parle avec lui. On est monté G1 mais il est redescendu. Mm-hmm. Parler avec qui? Je suis bronze 2, Dirt 12. Moi j'ai fait une descente aux affaires quand j'étais en live, je suis redescendu Copper 4. Ouais. Ouais. Incroyable clutch. Mmh. Oh bah moi je tout à fait croyable hein. Ah ouais voilà. Non c'est clutch. Termine c'était le clutch. Mec en face. Incroyable clutch. Ouais. Là il avait Warden. Tuch. Il parlait du termite en face. Ouais ok. Eh bah c'est quand même pas terrible. Incroyable clutch. Allez c'est parti. Il a mis son nom. Tu l'as pareil. Oula année... c'est année 1 non, ça. Non mais c'est le PSN je l'ai pas. Oh là 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 là. Oh, oula, c'est vieux ça. Oula, la bonne clubhouse. Oula là, oula là, oula là. Comment veux-tu? Oh, les flashs de larmes. Eh, franchement, ça fait 3 kills. C'était en année 1, ça? Oui. Il devait être professionnel. Oh oui. Déjà, 3 kills dans un round sur console en année 1, c'était du jamais vu. Hein. Il se faisait recruter chez Vitality dans la foulée, le mec. Ah bah si. Ah bah alors là, le gars était pro. Hein. Il prenait 3000 euros par mois, il était en bootcamp le mec. Hop là, il le signait direct. Ça c'est level professionnel, ça c'est level vitality. Ça soulève des coupes. Ça. C'est sûr. En année 1. En année 1, bien sûr. Ouais, oui. Non, j'en ai aucune idée. Comment veux-tu qu'on le clip année 1? Mais c'est impossible. Je me rappelle pas. Vraiment, à console année 1, c'est impossible. Vas-y, on va aller voir ça là. Zenshi. Regardez. Non mais attends. Déjà le niveau est pas ouf. Pourquoi? Parce que... Regardez. Non. Il dit regardez. Ok? Comme si, sachant qu'il joue avec ses teammates, ils étaient sur les drones qui restent. Ils sont tous morts. Bien sûr qu'ils te regardent, ils sont tous sur ta vue ces enculés. Il y en a aucun qui est en train de prendre le petit drone là pour voir si ça va te prendre dans le cul au niveau du Red Stairs. Regardez, bah oui, on voit. Hein.
D'ailleurs, on regarde, on regarde. Ah bah on regarde, oui, ça c'est sûr qu'on est pas sur le drone. J'aime quand il joue comme ça, c'est bien. Y'en a un qui va te sortir petit tour. Oula! Sachez, Copic! C'est pour regarder ce con là. Y'en a un, il va te sortir, y'en a un, il va te sortir. Oula! Oh là 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 là! Comment tu meurs pas, frère? Imagine, il est contact à toi et il est en train de te cut là, tu fais quoi? Tu l'as vu, tu vois. En attendant. Vas-y, on garde ton dos, on garde tout le monde. Regardez ce con, regardez ce con. À peu près. Non, il y a regardez ce con. C'est pas le ping, gros. Oh, regardez ce con. Oh, les deux, ouais, regardez ce con. Bon. Bon, les mecs en face, regardez ce con. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ah bon, on vient de le faire. Et du coup... Oui. Regardez. Regardez ce con. Moi, je dis ça, c'est du G2. Non. Le setup, non. Ça joue de la finca, de machin, du truc. Ça a ouvert derrière au niveau des pieds. Ce que je vous ai toujours expliqué. Bon, c'est pas ouf, hein, mais bon, ça va. C'est... Quand on a vu l'ouverture là derrière, elle était pas si dégueulasse que ça. Ça va rotate au niveau du garage. Ça, c'est à peu près cooker une grenade. Ça peut pas être gold, ça. Ça. C'est venu jouer la tour rouge pour avoir un push. Ses potes ont dû se faire défoncer au niveau de l'armurerie. Ça push pas parabole. Ça revient ici. On va voir le setup un peu. Ça push ici. Est-ce qu'il y a du... Il y a quoi au niveau du trophy? Tout dépend déjà de comment est-ce qu'il joue le trophy, en fait. Ça a mis une alibi au bout. Imagine, il est contact à toi et il est en train mais de... Mais là, ils ont... Ah non, ils ont pas renforcé, j'ai eu peur. Je fais quoi? Regardez ce con. Attends, j'ai pas vu, là. Il y a eu du stuff d'envoyer ici ou pas? Regardez ce con. Là, ça a été pété à gauche et tout. Regardez ce con. Mais le l'aim est propre, hein. L'aim est propre. Je sais pas, P1, Gold 1, P3, vous dites. Yo, comment ça va, Len? P3, P2. Son aim est plus strong que P3, P2, je pense. Ok. Après, s'il part avec des potes et qu'il se marre, voilà quoi. En revanche, la game dans laquelle il est à l'heure actuelle, les mecs en face... Ouais, c'est vrai que les mecs en face sont un peu des sous-boosts quand même. En plus, il y a 0-0. Ah, tu fais pas ça, quoi, si t'as envie de gagner, quoi. Ouais, vous avez raison. Peut-être P3, P2. P2, je dirais, ouais. Ah, c'est un smurf. Bah, toi, ton niveau, c'est P1. Et là, le truc sur lequel vous êtes, c'était un Elo P3. Voilà ce que je dis. Bah, du coup, sur ce compte-là, il est P2 depuis 9 saisons. Oui, c'est ça. Ouais, je suis fort, hein. Ouais. T'as vu? Oui, c'est ça. Eh ben, c'est parfait. P1 et en face, c'est du P3. Ça se voit, l'avantage avec R6, tu vois tout. Après, c'est plus difficile quand on tape dans du D1+. Hein. Bon, sauf quand c'est Archery, parce qu'il est boosté, tu vois. Ça, tu vois clairement qu'il y a des mecs, ils ont rien à foutre, là, quoi. Bon, ça se voit direct. Ok, on est sur console. Ah, attention, on est sur console. Donc, Best Mute EU. Ah, on est clairement sur console. On va aller voir la chaîne. Hein. Ça peut peut-être nous donner des indications. On a de l'abonné. On s'appelle Xim déjà dans le pseudo. On est sur... Pas modeler. Ouais. Hein. On a mis Xim dans son pseudo. Osé pour un mec sur console, j'ai envie de dire. GG, c'est propre et fluide de ouf. Visiblement, on a un ami hein, qui lui aussi fait des lives sur Rainbow Six, ce qui est bien, et qui lui était gold 2 il y a 2 semaines. Donc bah voilà, j'ai le droit d'aller me renseigner un petit peu. Hein, voilà quoi. Et qui nous a fait un truc comme ça. Je serai en live
à 17h30, soit sur Twitch, soit Airchou. Sur Airchou. YouTube. Airchou. Et peut-être du Trackmania. A plus. Et à tout à l'heure. Je saurai en live. Il a dit quoi? Attends, j'ai pas eu. Bah, si tu fermais ta gueule, on aurait entendu. Mais moi, j'ai pas entendu, j'ai pas le son du jeu. Il a dit peut-être enfin, du R6 ou de l'Apex ou du Trackmania, ce qui est quand même assez large en termes de. C'est clairement un streamer multigaming, déjà. Jim. Donc, il est jeune. Son pote est jeune et lui est jeune. C'est propre. Wait. C'est pas de la manette. On est sur console, mais c'est clavier souris ça. Bah ça mettrait pas les trucs R1 et tout. Non, mais sur... comment dirais-je? Même les meilleurs joueurs sur souris et sur console ne peuvent pas avoir quasiment... c'est pas des mouvements... C'est beaucoup plus linéaire en fait. Ça fait des trucs comme ça là. Ça va pas en diagonale quasiment quoi. Là c'est de la diagonale souris quoi. Hop là, rien que ce mouvement là. Là, le petit move là. Ça. Il baisse le truc comme ça là. C'est hyper dur à faire sur souris. Ça c'est clairement adaptateur clavier souris. 150 FPS. PS5. Ce n'est pas la manette, c'est pas la manette. C'est... Non, c'est pas la manette. Ouais, non, mais pour avoir 50 FPS, non. Les moves, même les meilleurs joueurs qu'on a vus pendant les Salty Duel et tout n'ont pas des moves comme ça. Tu le vois tout de suite. Moi, j'ai pas besoin d'adaptateur. Passer à la fenêtre Top Dragon. Là, pour le coup, ça pourrait laisser. Non. Ah, je sais pas. Ils sont trois. T'en as encore deux. Quand il est 180, ça sent trop la manette, je pense. Ouais, non, mais ouais. Finca dead. J'arrive. Yana dead. Ah, il est pas si jeune que ça au final. Peut-être je me trompe au final. Quand il fait son 180, c'est clair que c'est bien linéaire quand même. J'arrive. Yana dead. Là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Elle est pro de la manette là et dites-moi. C'est un bon joueur manette du coup. On est sur du diamant manette, non? T'as mis dead. Diamant PS5. Il a dead. Skin BDS. Ah, L1, R1, non si, on est sur play. Donc il y a les deux derniers sur moi, frère. Non. On est sur PS5. Ouais, non. Drop. Dans le jeu. 23 ans, diamant 1, diamant 1 ou 2, diamant 1, PlayStation ouais, 5. Ouais, je dis. On a toujours. Que je te le dise du coup. Ouais. Diamant 3. 3 ? Ouais. Et du coup, sur quoi? Sur PS5? Pas enfin, sur PlayStation, toi, tu vois. C'est ça? Ouais, ah, j'aurais mis quand même. Après, c'est. 23 ans. Ah oui, je dis 23 ans. Je le sais. Je sens qu'il a 23 ans. Il mérite un peu plus haut en vrai. Ouais, ou alors. Ouais, franchement, ouais. Non, les placements sont bons et tout, machin. Attends, il doit jouer qu'avec des totos, c'est pas possible. Non, son niveau pour. Ouais, bon, là, on voit bien que c'est de la manette pour le coup.
sur les mouvements horizontaux comme ça. Mais tout à l'heure, ça donnait vraiment l'impression que c'était clavier souris quoi. Sur des mini mouvements là. Non, il est pas mauvais du tout. Il est pas mauvais du tout. Il faudra qu'il participe au solti duel. Il gère mieux son recul que moi avec une souris. Il y a pas de recul sur PS5 non plus. C'est pas le même recul sur manette et c'est pas le même jeu hein, R6 sur console et manette. Hein. Ouais. C'est pas méchant mais encore heureux puisque vaut mieux ça que peut-être à moi. Un aim assist. La honte du FPS depuis 20 ans. Ouais bon là clairement c'était manette le petit 180 là on l'a bien vu. Sur manette on peut ajouter des trucs sur le joystick pour avoir moins de recul. Oui les strike pack et tout machin, mais en l'occurrence un strike pack c'est j'imagine juste le fait de mettre une macro sur le mode semi pour avoir zéro recul je pense. Non je pense que là c'est full leg it, manette, très bon joueur, qui mérite pas un D3 pour le coup. Voilà ce que je dis. Après c'est un best-of, au foot avec un best-of tu peux passer Giro pour Ronaldo. Ouais mais je n'ai pas une seule fois regardé les actions en fait, il est là le truc. Des personnes qui sont là dans le chat et qui ont un niveau au-dessus de D2, donc qui savent sur Rainbow Six de quoi on parle. Toutes les personnes qui sont en dessous, no offense les mecs, mais vous savez pas forcément. Il n'y a pas besoin de longtemps, il n'y a même pas besoin de kill pour savoir à peu près le niveau d'un joueur. Tu pourrais connaître le niveau d'un joueur si le mec il part solo sur une map où il est solo et où il va juste pick. Juste pick. De la même façon, il n'y a pas besoin d'avoir un vrai combat pour à peu près savoir quel va être le niveau d'un mec, je sais pas, à la boxe, tu vois. Si le mec il fait du sparring, du ghost sparring, quoi, bam, 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 tu vas dire ok, ok. Voilà. Anyway. Ok, let's go. Suivant. Ah, il a mis le R6 tracker. Yann, Oza, Big Window. Je les impacte. Il est où exactement? Sur la Big Window, je peux pas te dire. Elle est morte. Oh, derrière. Bah oui. On est sur clavier. Ça essaie de me travers depuis. On est sur PC. Ok, on a 130 FPS. Peut-être cela. 140 FPS. Ok, ça arrive cela. Nomad, un fenêtre solar et un escalier solar, il est déjà passé, saute dessus, Q. On a eu un kill là, mais c'est bon, on peut déjà dire le niveau. Il peut pas être gold, silver, copper, tout ça t'oublie. C'est impossible. Le crosshair placement, le fait de se replacer, le fait d'avoir les calls, de jouer avec des teammates, les calls sont bons, etc. Tu demandes à un Mopiz, c'est quoi le solar? Voilà. Mopis, t'es là? Oui. Ok, c'est quoi le solar? I don't ouais. Say. Sinaz? La pièce en face, là, il y a l'escalier. Et pourquoi solar? L'arium. C'est quoi? Ah, tu parlais dans R6. Ah, ouais. Bah non, je parlais dans Valorant, enculé. Et c'est pas de nous avoir. Fallait le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-moi pour un jambon, bah oui. Donc c'est quoi? C'est quand tu montes l'escalier au niveau où est-ce qu'il s'est replacé. Bah l'escalier qu'on a vu, là. Oui, bah le fameux, et c'est d'ailleurs son nom, l'escalier qu'on a vu. Solarium. T'es sûr? Escatrophie, peut-être. Parce qu'il y a le trophée en dessous. Bah non, il y a le trophée en dessous. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, escatrophie en l'occurrence. Mais mais bon, oui, ça va. Si tu dis escasolarium, escatrophie, voilà quoi. Les deux se disent, hein. Mais moi, je dis escatrophie, perso. Ah, mais bon, bref. Du coup, attends. Donc déjà... Ça joue. Ouais, tu vois le setup aussi. Tu vois ça, là. Ça a mis à peu près ses renforts, mais bon, au top, tu peux pas en mettre 150 000. Ça a renforcé ce mur-là. Tu vois ce qui pourrait nous laisser penser. Franchement, là, c'est un peu tiré par les cheveux, surtout moi qui dis ça. Mais ce mur-là, en règle générale, sur un setup, tu vas essayer de... Si t'es vraiment, à mon avis, dans un... Je sais pas, hein, j'ai pas re-regardé la méta à l'heure actuelle, je regarde pas la Pro League, mais en règle générale, ce mur-là, tu le renfonces pas. Tu vas défendre justement la possibilité que des mecs viennent te jouer au niveau de la fenêtre de Solarium qui est ici.
En règle générale, le setup, c'est plutôt tu joues dans ton closet, tu mets ce mur-là, tu as la possibilité justement, en passant ici, de venir deny les conneries qui pourraient s'y mettre. Et puis tu mets un Jäger au niveau du sofa, quoi. Et voilà. Mais autrement, le setup n'est pas si déconnant que ça. Donc c'est plat de plus déjà. Sola, ça joue Sola. Mort. Ok, encore deux ou pas, ou deux? Encore un Sola, qui nade. Un seul. Ok, non, un à la fenêtre. Un à la fenêtre Sola et un escalier Sola. C'est pas champion. On réduit. Ok, ils rentrent Sola. Les deux sont Sola. J'ai la porte là. Ça arrive, salle de bain. Meurs pas, Biu, meurs pas. Recule. C'est open. Les mécaniques sont bonnes, hein. Reste caché. Ça peut être plate ou Diams. Ça part un peu trop dans tous les sens. Toujours droite. Un gauche et un droite. C'est pas la force tranquille, quoi. Y'a Ace qui est rentré. Oh, je l'ai pas eu. Dans le closet, dans le closet. Ça plante. Y'a de la pollution sur le chat. Ça plante, les gars. Y'a un gauche, il y a un Q. C'est propre, ça. Bien joué. Fais gaffe, il est mort. My bad. Ok, c'est D3, D2 peut-être. D3, D2. Bah, ça... C'est D2. Non, même pas. Non, je suis bête. P2 ouais. D3, moi je dirais. J'avais dit P2. Ah, je sais pas. C'est quoi du coup? Vas-y, Sinat. P2. P2. Trop chaud. Ok, d'accord. Vous êtes bons. Ah, moi j'ai dit D3, donc ça englobe le P1, mais je serais pas allé. Franchement, c'était pas si mauvais que ça, quoi. C'était pas affûté, mais. Ok, comme quoi. Oula, ça a l'air vieux ça. Eh, me mettez pas des trucs de 1970. Ah non, c'est le vieux truc, quoi. Attends, on va regarder un peu là. Furious Triggs. Aïe, 38 abonnés. Ok. On est sur. On a le jeu en français. On joue avec les flèches. Bah moi je joue avec mes pédales. On est soit très con, soit daltonien. Ce qui est une possibilité. Un gaucher. Pourquoi un gaucher, hein? Furious Trix. Tu me diras si je me trompe. Tu joues avec les flèches ou quoi? Non, MDR. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est en deuxième touche MDR. Ouais. On va regarder tout le clip. Ok, le setup est pas mal. Oula, mais c'est pas plus de diamants déjà. Là, je dis P3 tout de suite comme ça. Attends, c'est pas fini. Hein. Je réajuste après. Golden, P3. Allez, je suis sympa, je dis P3. Franchement, je vais même pas jusqu'au bout. Vas-y, je le tente. P3. P3? Ouais. Ok, D2. What? Oh putain. Non. Oh putain. Furious, t'es boosté. Non, boosted, warning. Non, jamais de la vie, Furious. Furious, t'es un étudiant du campus, je suis désolé depuis longtemps, etc. Mais D2, sur Rainbow Six, c'est possible pour toi, mais dans tes rêves, c'est tout. Non, je suis désolé, c'est jamais D2. Non. Ça, c'est P3, ça, c'est un niveau de P3, ça. Ça, c'est le D2 mairie, ça. Ouais. Non, le tir en balayette là, le suppressing fire à la squad, non. Incroyable, ça dit incroyable, mais jamais de la vie c'est P2, c'est D2 ça, jamais, non, et P1 grand max. P1, t'as mangé des amandes, tu t'es levé à 6h, t'es allé faire un footing, t'étais carré, tu sais. Non, Furious. Regarde les autres vidéos. Mais t'étais quoi sur cette vidéo-là?
T'étais quoi sur cette vidéo-là? Regarde l'autre. Non, dis-nous, t'étais quoi sur cette vidéo-là? Allez voir la vidéo, les amis, et faites un like. Vous avez fait que 1, 4, 4. T'étais D3. Ah, D3 ou le P, qui est pas très loin sur le clavier. Hein. Un P, tu veux dire. P comme Patrick, pas D ouais, comme Daniel. Il est un peu comme l'autre bout, quoi, le P. Ouais. Vas-y, t'as niqué toutes mes blagues, toi. Merci Nébule ouais. Pour les 16 mois, t'es un monstre, poulet. Vraiment. Non, non, non. Moi, je dis Furious Mito. Regarde les autres vidéos. Oh putain, on va aller voir Mopiz. Oh, 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 oh. C'est un glaze. C'est un glaze. Oh, 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 oh. Non. T'as vu ça? Hein? Ouais. Ouais, je sais. Juste... Ouais. T'as dit quoi, Silas? C'est juste ça. Ouais. Il a mis un one tap. Tu dis quoi, Silas, du coup? Mais le grade à Mopiz, je le connais déjà. Il est quoi? Il est Copper 1. Et ce sera quoi son plus gros rank? Son plus haut, c'est... Attends, je te dis ça. Et Mopiz, tu veux taper les ranks ou pas du tout? Bah en fait, parce que je prends pas le temps, mais en vrai, ouais. Plus haut rank, c'est Silver 1. Non, 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 non. Et moi, si tu me dis on y va là. Tu me fais pas ton gamin de 15 ans là qui est en mode allez let's go j'adore et 3 minutes après ouais non la flemme en fait. Moi si je te prends derrière c'est on y va c'est la marche militaire. Genre comme la corne de brume et tout là. Le clairon ouais. Ouais la corne de brume ouais. Ouais 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 l'armée c'est des vikings les mecs. Ouais. Ouais. Oh. Avec le truc sur l'œil et tout. Des pirates, du coup. Des pirates vikings, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, on voit bien, ouais. Et du coup, derrière, parce que j'avais pas regardé les posters, mais va falloir faire un choix à un moment dans la vie. Tu veux devenir garagiste ou tu veux travailler dans un zoo? Alors, attends, je vais remettre les champignons parce que je vois que ça critique. Ce que j'étais en train de me dire. Hop là, là, on est bien. Là, je suis dans mon élément. Non, le tigre est toujours là. Là, je suis... Non, mais merde, attends. C'est bon, là, le... Non, attends. Le tigre, il est toujours là. Ah, il pense que c'est un visage. Il te confond. Hein. Oh, fucking hell. Bon, du coup. Non, mais Mopiz, vas-y. Hein. Mais derrière, je te jure, moi, je te transforme en laine, hein, si tu veux. Là, c'est mieux. Hein. T'es beaucoup plus joli comme ça. Là. C'est gentil, merci, je sais. Je te transforme en laine, hein. Mais derrière, attention, parce qu'il y a du taf, là. Ah ouais, il y a du gros taf, là. Ah bah ouais, là, on part de loin, poulet. Eh, tu t'esclaves devant ce genre de truc-là. Déjà, je vois pas ce que tu fous avec cette arme, mais bon, voilà, quoi. Mais c'était pour... Mais je m'en foutais, c'était pour créer du contenu sur ma chaîne. Ah... Alors après, si t'as envie de créer du contenu, t'as pas besoin d'être bon. Ça se saurait autrement, hein. Voilà, quoi. Tu peux devenir caster aussi, hein. C'est possible, hein. Ah ouais, mais je crois qu'on avait fait l'expérience et... C'est pas bon, ça? De toute façon, c'est simple. Quand t'es pas bon dans un jeu vidéo, ce que tu peux faire, c'est créer du contenu sur le jeu vidéo ou être caster du jeu vidéo ou développeur. Voilà. Comme ça, tu restes dans l'univers du jeu vidéo, mais tu pues la merde et tu respectes le protocole. Et c'est bon? Hein, voilà quoi. Il veut être ingénieur en réacteur de fusée. Ah oui, c'est vrai que tu veux être ingénieur en réacteur de fusée. Ok. Oui. Bon, du coup, on a déjà le grade. Ouais, bah, du coup. Bah, ouais. Silver, quoi. Non, pas Silver. Attendez, c'est quoi? On est où là? Merde, j'appuie sur les mauvais trucs. Récréation, voilà. Non, c'est la React. Ok. Du coup, let's go. Regardez ce con. Blablabla. R6 Tracker. Donc là, c'était pas mal. Furious, il était là. Mopiz est là. Ok, 5K en 10 secondes. Rainbow Six Siege, captured by Outplayed. Rainbow Six Tracker, OPH.B4. Ok, ça déconne zéro. Là. Let's go. Ça, déjà, ça upload sur Outplayed.
Ok, on aime bien. Pourquoi il n'y a pas de FPS? Qu'est-ce que tu fais là? 2 minutes 35. Comment tu peux te faire surprendre en train de regarder là? Et la Ibana est en mode coucou là. Ok, bon, c'est pas champion, c'est pas diamant. What the fuck? Ouais, hit. Oh, hit, hit, hit. Ah ouais, pas les pelles se sont alignées. Oh là là, oh là. What? Ça se smurf un peu, non? Ça se smurf un petit peu, je pense. Top, top. Ah, c'est dur. Mais c'est, déjà, ça sait que ça se smurf pour revenir là, quoi. Parce que c'est un bon niveau et ça vient jouer un mec à un endroit où on se fait totalement surprendre. Parce que là, ça respecte pas l'adversaire, quand même. Là, ça respecte pas du tout pour se trouver à cet endroit-là, quand même. Derrière, on est parti avec Tachanka Goyo. Bon, ça joue en même temps. Le setup est pas si dégueulasse. Ça joue le top, en plus. Ouais, ça les respecte pas. Bon, c'est propre quand même. Okay, ouais. Je suis un peu à l'ouest quand même. Hein. P3, P2 frustré dans un lobby silver, dit Archery. Joli aimbot. Non, le aim est bon, ça peut pas être gold. Ouais, P. En aim, P. Je sais pas en fait, ça peut aller loin. C'est pas hyper affûté, mais c'est quand même très très. C'est quand même bien strong quoi. La dernière petite décale est quand même bien propre. Genre, il a un bon aim, mais pas autant que moi quoi. Ouais, bah oui. Ça, c'est indéniable. Ouais, P2. Bah après, ça dépend s'il joue avec ses potes visiblement là, qui sont pas dans le même elo que lui. P2, je dirais. Ouais. Tu l'as? Alors, cette saison, il n'est pas encore rank, mais il devrait pop P2. Et la dernière saison, il était diamant 3. Ok, d'accord. Et non, je smurf pas. Eh, c'est pas des diamants, ça, en face, là. Hein? Bah, on supprime mes messages pour rien? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Basis, je me barre si c'est comme ça. Changez-moi ces pseudos. Attends, T-Vax, t'embête pas. Regarde, t'es banni. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu peux dégager. Ok. T'inquiète, tu auras le tribunal dans pas longtemps. Ah, t'inquiète, tu auras le tribunal. Ok, mais bon, vu comment t'écris français, à mon avis, tu te présenteras pas à l'audience. Alright, allez, let's go. BMS. Oula merde, j'ai cliqué sur le truc. Oh, je suis désolé, j'ai cliqué sur le R6 tracker. Bah ouais, mais quelle idée aussi. Bah désolé, BMS. Bah du coup, t'es P2. Ou P quelque chose. J'ai pas vu exactement. Opache est là. Ben, c'est même pas ça. C'était quoi? P1? C'était P3. Ouais, mais P quoi. Ouais, P1, il y a marqué là. P1. Ah non, personal record, t'as raison. Ouais. Ah désolé. Bah mais bon, ouais, on me présente le truc comme ça. Moi, j'appuie dessus comme un con quoi. Bah, Opache, on a déjà vu. On va aller voir Yori. Ah non, c'est R6 Tracker là. Attention, putain, mettez-les en dessous, les amis. Il a deux clips, Opache. Bah ouais, mais ça sert à rien. On connaît déjà son rank, du coup. Oula, on est sur console, visiblement, parce que c'est un peu une autre époque. Hein. Oula, tire en diagonale. Et tire décalage frontal. Tu fais quoi demain? Et la technique de l'accent circonflexe. Je fais quoi demain? Marco, comment ça va, poulet? Merci pour les 30 mois de frais de scolarité. Eh, j'ai vu maintenant, t'es rentré dans le KK tuning, hein, mon gars. Eh, faut que t'arrêtes, là, hein, de balancer des photos avec ta grosse Mercedes, là. Ça va, vache, tu vas te réunir sur des parkings pour dire « Bon, avec 120 chevaux et tout. » Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, putain. Espèce de KK, va. Rien, il y a un petit truc avec le staff de la Salty Academy ce week-end. Tu es le bienvenu d'ailleurs. Voilà, si tu veux.
Mais autrement, demain, je travaille comme tous les jours, mon poulet. Et merci pour ton abonnement. Bah oui, je viens direct ce week-end. Je viens de comprendre le sens tire l'arigot. Ah, je sais pas, moi, c'est... Les gens qui sont sur console, là, c'est quoi, ça? Ça swing un peu et tout, c'est pas diamant, quoi. Hein. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est golden, non? Ah, c'est moi, le joueur de Twitch, il est plus court. Ah, vous dites P3? Or 1, or 3. Ah ouais, vous dites entre or et P2, quoi. T'as dit quoi? Le quoi de Twitch? Quand elle regarde son drone, j'ai l'impression que son bras il a été coupé. Hein? Ah bah alors là, je sais pas. 30 FPS et 180p, mon gars. Cut de paille. Merci évidemment Ronflex pour les 18 mois, vous êtes des monstres, les amis. Et merci Slayer de Poulet, j'avais pas vu pour les 3 mois. Merci Nebul aussi, j'avais peut-être pas vu pour les 16 mois, vous êtes des monstres, les amis. Ce soir d'ailleurs, tout à l'heure, on partira sur Ready or Not. J'ai tweeté mon mécontentement. Ça fait environ 3 semaines, du coup, qu'on essaie de faire l'émission sur Ready or Not sans être touché. Et apparemment, maintenant, si tu prends une balle, tu peux quand même avoir l'émission S. Je suis dégoûté. Encore une casualisation, quoi. Je suis dégoûté. Voilà. Du coup, ça, c'est quoi? Attends. Il est quoi, Sinaz? Roulement de tambour? Roulement de... BMS, tu l'as skip, ouais. D'accord. Il est G3. Oh, G3? Ah ouais, il y en a qui ont dit P3, là. Tiens pas. Plate, sérieusement? J'ai jamais autant le seum d'un jeu. De quoi? Ah oui, Yayo, bah ouais, j'avoue, ouais, mon poulet. J'ai dit supérieur à Gold 2. J'ai inférieur à Gold 2, du coup. Dell. Là, c'est Gold 3, c'est inférieur à Gold 2. Enfin, avant, c'était supérieur, maintenant, c'est inférieur. Tu regarderas tes MP Discord, toi qui es friand de Bonne Source Prives. On avance bien. J'imagine qu'il faut pas que je clique dessus maintenant. Archaïque. Si tu me le dis en live, je risque de le faire maintenant. Bah alors, fais pas ça, espèce de trou du cul. Non, je te jure. L'autre, il envoie un truc. C'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre. Ok, let's go. Rapoutou. Allez, c'est parti. We say not, moms. Mopi, c'est à toi de deviner, là. De quoi? C'est à toi de deviner. Ouais. Tu regardes? Attends, je fais du scotchage. Moi de la merde, je ferai ça après. Ouais. Je suis là. C'est à toi de deviner. Allez. T'as joué au Rooney. Bravo. Tu connais les opérateurs. Merci. Après 4 ans de la matière. Bon déjà c'est pas diamant. Et c'est pas gold non plus. Moi je dirais un petit P2. Enfin non, un gros P2. Ouais, ça me paraît pas mal. Mais attends, je peux me montrer. Pourquoi tu vomis? Il y arrive. Non, je me force. Silver? Bah non, pas les one tap quand même, t'es ouf ou quoi? Eh, mais moi je mets pas ça. Vas-y, alors que je suis trop fort. Il est gold ou plate déjà, ça c'est sûr quoi. Du coup, on serait sur du. Bon, déjà il s'amuse. Je sais pas. Bah, entre gold et plate pour le coup. Donc, bon, bah par élimination, on va enlever le plus bas de gold. On va enlever le gold 3. On va enlever le plus haut de plate, P1. Du coup, il serait entre gold 2 et plate 2. Et donc, pour tirer entre les deux, je le mettrais Gold 1. Ou P3, mais Gold 1. Allez, Gold 1, je dis. Et P2. Il est Gold 1. Ouais. Il est P3. Ouais, bon, ah, j'étais voilà. Pas loin. Je dis Gold 1, P3. Et je dis P2, un rang près. Et à 11 MMR de moi, il était Gold 1. Ouais, donc il est vraiment pile poil là où on l'a dit, quoi, entre Gold 1 et P3. Ok, ouais.
Comme quoi, ça se voit quand même, les amis. Alright. Eh, on est pas mal, hein. Franchement, j'aurais dû parler de l'argent là-dessus. J'aurais gagné. Non, t'aurais rien gagné du tout. R6 Tracker est ici. BM, Medal TV. Reject. Rejette. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, arrête. Oula, bon déjà, ça c'est pas maîtriser un recoil. Arrête. Oula, qu'est-ce que c'est? Jamais dans l'histoire du recoil on fait ça. Juste devant là, les gars. Mort. Est-ce qu'on est avant la mage ou après? Non, arrête. On est après la mage du patch sur. Juste devant là, les gars. Parce que sinon, elle aurait déjà planté la montagne. Et tu le vois en haut, ou... comment il est le chudé? Ah ouais. Bah non mais... Ça vous choque pas vous? Attends, non, mais j'ai pas fini. Il a tiré dans le mur. Non. Non. Attends. Bah il est où le reste? Même Mopiz il fait des clips plus sexy. C'est le kill le plus... Ah y'a que ça. Bah ouais. Non. Donc, ça en dit long. Psychologiquement, okay. On va profiler. Il est content de son clip. Silver 4. C'est quoi en dessous de Gold? Silver. Silver. Silver 4. Il est... Gold 3, Silver 1, moi je dis. Gold 3. Je dis Gold 3. Ah, moi je dis Silver 4. Hein. Ah ouais, non. Attends, on peut regarder une autre vidéo peut-être. Ou alors il s'est gouré. Ah non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui, attendez. Il a mis 3 clips, je crois. Oula. Oula. Aïe, bien joué. Ouais, non, ok. On enlève le mot gold. Je vais dire qu'il est Silver 3. Max. Silver 4. Moi je reste au moins Silver 4. Faites attention, vous allez tomber de votre chaise. Parce qu'il est Platine 3. Quoi? Vas-y, je suis vraiment une sous-merde en fait. Il est Platine 3. T'es en train de me dire que je suis encore plus éclaté que ça. Et juste avant, il était Gold 2. Et après, c'était le deuxième rank. Anzu! Ah, il a été platine aussi. Il est boule, Anzu! Pas sympa! Anzu! On a dit les choses vraies depuis le début. Moi, je dis que les choses vraies. T'es P3 dans tes rêves, mon loulou. Ah non. Non, t'es P3, tu l'as acheté sur eBay, ton compte, mec. Non. Yes! Bah non. P3, l'escroquerie absolue, là. P3, t'abuses. Attendez, vous êtes pas d'accord avec moi? Bah si, justement, P3, t'abuses, Anzu. Je peux venir Discord pour expliquer MDR. Oh oui, on attend ça avec impatience. Mets-toi directement dans le... Mets-toi dans quelque part. Salle d'attente. Mets-toi dans la salle d'attente. Non, dans la récréation, non. Dans la récréation, c'est un truc par écrit. En fait, tu viens d'arriver, toi, hein. Attends, mais je cherche le nom. Oui, bah permanence. Oui, bah, voilà, le nom. Permanence. Ouais, permanence. Ah, c'est parce que nous, on a un truc, du coup. Ici, là. Ça me rend triste, carrément. Non, mais viens de vous expliquer. Anzu. On a besoin de cette explication. Tu as une minute pour t'expliquer. Non, mais avec un P3 comme ça, je l'insulte en allemand. Non. Oh ouais, non. Après, tu sais, t'as juste à marquer horloge et c'est plus simple encore. Ah bon? Tu marques horloge. Mais non, tu mais... vas dans... Stopwatch, voilà, c'est ça en anglais. Mais c'est quoi ce truc, là? C'est Windows 11, là. Ah, elle est là. Une minute. Mais c'est nul, ce truc où on appuie, là. Je peux pas appuyer dessus. Oh, Windows, sérieusement. Ah ben non, mais stopwatch, je suis con, c'est l'inverse. Je savais. Allez vous faire enculer. Ok. Une minute. Et 0 secondes.
C'est timer en anglais. Countdown. Yes. Countdown du P3. Voilà. On t'attend, Anzu. Il est en salle d'attente. Je suis là. Put it down. Tu as une minute. 3, 2, 1. C'est parti, on t'écoute. Ok, alors en gros, j'ai fait une grosse pause du jeu. Là, je suis revenu. Mais non, je suis bien, bien platine. Sur mon autre compte, je suis monté platine 2. Et je suis constant platine 3. Et avant ma grosse pause, j'étais même à 50 FPS constant. Puis là, je redémarre avec un gros PC. Donc, je peux monter beaucoup plus haut, maybe. Enfin, de toute façon, je sais que je peux. Et c'est juste que là, les clips sont très concis. Et parce que je fais que des petits clips. Mais sinon, j'ai des clips un peu plus gros. Mais qu'il faut que je recherche sur mon PC et tard à l'époque quoi. Mais non non, je ne suis pas boost. C'est. Mais ce clip-là, il date de quand ? Il date de. C'était le premier jour où je reprenais le jeu, je crois. C'était il y a 4 jours, 3-4 jours. Et entre deux, t'as pas mis un truc plus beau à envoyer. T'as pas un truc plus beau à envoyer entre deux. Bah non, j'ai 10, rien fait. 8. Non, je crois que j'ai rien d'autre. J'y crois pas une seule seconde. Bonne journée, Andu. Ah le pauvre. Bah non, mais c'est pas possible. Oh god damn it. Oh. Ok. Non, non, non. Eh, la grosse pause du jeu. La grosse pause qui, à mon avis, a commencé. Oui, je veux bien l'entendre. Entre. Tu as fait une pause du jeu entre novembre 2015 et il y a 3 jours. Et ça, je l'entends, ok. Tu viens de commencer le jeu. Ouais, c'est ça, une pause. Alors, je peux te dire quand est-ce qu'il a fait la pause. Vas-y, 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 renseigne-toi. De l'année 6, saison 2, à l'année 7, saison 2. Ouah, la pause. Et 3 saisons. Bah, 3 saisons. Ah non, un an, quoi. Ouais. Dis-moi, ah, quoi. Ah, ok, non, ok. Ouais, j'ai cru que c'était 2 mois. Zan, t'as cru que c'était 2 ans, non? Parce que 2 mois, non, du non, coup, non. C'est plus petit que 10 mois. Pas 3 mois, pas 3 mois. Genre, je croyais que c'était... j'ai confondu les années et les saisons. Ouais. Genre quand il a dit saison 6 et saison 7, ouais. J'ai confondu avec... Mopis, on est en quelle non, année année 6 et année 7, et là on est en année 7 et on est saison 3. Il y a combien d'années de Rainbow Six ? 7. Il est sorti en quelle année ? 2015. Quel mois ? Octobre. Ça va être plutôt novembre-décembre même. Mais ouais. Ok, alors attends. 2015, je connaissais même pas le jeu. Hein. Bah t'étais pas né. Si, j'étais né, abuse. Ah bah ouais. Du coup, on va aller voir... Bah non, on va pas voir Anzu, du coup, qui a fait une grosse pause. Hein. Des fois, j'ai l'impression que tu me prends vraiment pour un... Un quoi? Non. Un mongol, on va dire. Non. Pour être poli. Non. Non, jamais je me permettrais. C'est vite fait, quoi. Non. Ok, bon, le setup dans le blue, visiblement... T'as vu Mopiz ou pas? Ouais, bah moi c'est encore mieux avec Tachinko. Ouais, mais quand tu colles ton shield ici et que tu demandes un Jäger là qui sert à rien, tu vois la séparation là ou pas? Ouais. Ok, ça joue en 4 tiers. Enfin, je sais pas trop en fait, mais c'est tiré comme du 4 tiers. Mais c'est mieux le 4 tiers, non? Mieux, je sais pas. 4 tiers au 16 dixième, ça doit être 80% de ce que... Ah, et c'est qui préférerait de mettre son réticule en bleu ou en violet? Quoi? En bleu ou en violet? Bon, c'est les préférences, on s'en fout ça. Parce que je vois beaucoup de gens le mettre. Bah, tu le mets dans une couleur qui flash un peu. Franchement, fuchsia, vert fluo, bon voilà, ça passe quoi. Si tu commences à le mettre en blanc ou en noir, je vois pas l'intérêt. Moi, je l'ai mis en noir. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant. C'est marrant que je sois pas surpris par cette révélation. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est une petite blagounette, je suis rigolo, je suis gobain. Vas-y, fais-nous l'accent du Nord, Mopiz. Alors, moi j'ai un peu du Schnorr, j'habite vers Dunkerque, et je peux vous présenter les spécialités du Schnorr. Alors là où je suis ce soir sur une cayenne, j'arrivais à chercher une nourriture, et puis j'arrivais à vous faire une petite dégustation. Ouais. Ça va? Oh fuck. Ok.
Ouais, c'était pas mal. Bah ouais, non, mais là, on y était. Là. Wow, ah, là, striptease, le truc. Plage de Calais. Oh putain, la vache. Là, on est sur mobile. Non. R6 mobile. Déjà, ils sont 4. En plus, hein. Hein ? Oui, ça existe. Ah oui, ouais, si, ouais, ils ont sorti il y a pas longtemps. Je sens que ça va être de la grosse oh, game. Oh, il passe à travers. Mais c'est le yacht ça là maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Silver? 3 Silver 3 1 Quoi? Non. Je suis loin? Assez ouais. Copper 4 Vous venez dans l'autre sens. Non. Gold? Si. Oui. Gold 1? Non. Gold 2? Non. Gold 3 Oui. Ah oui, je le savais. Et du premier coup. Gold 3 ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit Silver 1. Ah non, j'ai dit Silver 3 au début. Ah ouais, non, j'étais loin quand même. Ok, vas-y, suivant. Ouais, ouais, bof. On va aller voir Picard. Picard, il stream. Beau gosse, Picard. Gros setup. Attention à la musique, il m'en faut pas. Je vais devoir couper le son. Bon, on Je pense que c'est une copyright. Hein, hein? Ça doit être une copyright. Possible. Parce que sinon... Allez vous abonner à sa chaîne. Ok, bon déjà, c'est pas... C'est... On enlève tout ce qui est en dessous de Silver et Silver inclus. Rien que dans le crosshair placement, c'est... Bah même le Gold, hein. Même Gold 3. Attention, Gold... attention. Ouais, ouais, mais même Gold 3. Oh, attention, quand même. Ne nous emballons pas. Ouais, Gold 3, ça peut sauter, ouais. Nous sommes d'accord. 1v4, va avoir le clutch en plus. Avec un malentendu, Gold 2, ça peut passer, hein. Ouais, bah je pense qu'on va tourner là-dedans. Oh, ça peut être du plat là. Hein. Après, les mecs ont l'air vraiment cons en face. Oh, il y avait une petite ligne sur le mec en face. C'est peut-être. Quand il aime bien les sardines. Plat. Oh, tu demandes ça. Plat 2, ouais, si plat 1. Ça peut être plat 1. Oh, le setup est pas déconnant, le scrolling est pas déconnant et tout. Mais là, il m'est pas exceptionnel quand même. Je le mettrais pas diamant ou dans le bas du diamant. P1, D3. Bon, allez, je tape sur un P2. P2, P1. P2, P1, ouais. P2, P1, vous en pensez quoi? P3, P2, vous dites, vous. Mon avis, P3, P2. Ouais, je dirais P2, ouais, quoi. P3, P... Nul. Merci Nox pour Ping Graoul et ses 3 mois de frais de scolarité. Vas-y P2. Ah, tu penses qu'il aime bien les sardines? Il est quoi? Tu penses qu'il aime bien les sardines? On s'en fout, je t'ai pas dit. T'as dit quoi? Ah. J'ai dit il est quoi? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Picard? Ouais. Il y a pas de... C'est nul. À la limite, t'aurais dit il aime bien les petits pois surgelés, pourquoi pas? Bah Picard, ils font du poisson, non? Non, ils font des surgelés. Mais tout ce qui est. Tu sais, il n'y a pas que du poisson surgelé, hein. Bah non, mais Picard, c'est connu pour le poisson. Non. Si. Non. C'est connu pour un approvisionnement surgelé. Mais si, les sardines en boîte. Je suis pas... Ah non, toujours pas. Non, Picard, surgelé. Toujours pas, Mopiz. Hein. Ah non, c'est pointe de Penmark.
Ah oui, t'es loin. Très très loin. De Penmark. Ouais, je suis très très loin. Les sardines de Picardie, ouais. Ah ouais, non, je suis pas fou. Ah non, je suis pas fou. Ah. Ah bah il y a bien, oui forcément. Et sur Google, il y a forcément un mec, un jour il s'appelait Picard, il a pêché 3 sardines. Hein. Mais ça en fait pas une référence absolue de la sardine quand même. Non, il a raison. Ah bon ? Ah, moi comme tu me dis Picard, je pense au poisson. Hein. Il confond avec moi, Pichard. Moi je pense au gâteau aux amandes. Qui a... Ah ouais, peut-être Pichard, ouais. Ah oui, ouais, c'est ça. Bien joué les gens. C'est ça. Pichard m'a une lettre près, j'ai confondu. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, c'est clair qu'on s'en bat les couilles. Mais bon, c'est... Voilà quoi. Ok. Moi, je dis P2. Roulement de tambour. Vas-y, roulement de tambour, il est P1. Ok. Ça va. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On est dedans. Pourquoi tu m'as envoyé un truc, Mopiz, là ? Faut que je clique dessus ? Vas-y, je vais pas cliquer. Moi, tu peux... C'était pour les trucs. Les sardines, enfin, les trucs. Ah ouais, bah, je vais pas cliquer dessus, alors. On va aller voir Fenza, les amis, en 1v3, sur Oregon. Une map que vous connaissez. Ok, déjà, le petit move, là, au début, là. Hop là, il vient de faire un kill. Ou pas. Mais bon. Rien que ça, déjà, on n'est pas en gold. Ça sert à quoi d'ailleurs? Je vois beaucoup de gens les faire. Rien. Nickel. Par quoi? Les coups de souris vers là-bas. Un. Baisser la tête à la CSGO quand tu plantes. Et on l'a déjà vu celui-là. Ah, je l'ai enlevé du coup. On l'a déjà vu celui-là? Non. Oui, PMH. Ah, ok. Et on l'avait dit du coup? Je crois pas. Et t'as son R6 Stabs ou pas? Non, c'est Fenza, il s'appelle, ouais. Mais... Là, t'as son R6 Stabs, ça. Il est Gold 1. Oui. Ouais. Il est quoi? Gold 1. Nice. Let's go. P1, PD1. Mais vous mettez P1, les mecs. Mais hey, vous connaissez pas R6. Hey, vous avez fumé du hashish ou quoi, là? Occupé là. Tu ouais, je vois ça, ouais. Ok. Yeah, qu'est-ce qu'il y a? Ok, du coup. Ensuite. Ah ben, on l'a vu tout à l'heure, ça, non? Mais j'ai déjà vu ça, en fait, merde. Pourquoi ça remonte, là? C'est de la merde. Attendez. Picard, il était là. Fenza. Ah ben non, c'est bon. I may be cheating. Oula, le petit skin et tout. Oula, attention, on va voir ça. Là, ça peut être plus compliqué, là. Ok, le petit angle, 170 FPS. ça joue smoke, ça a mis les renforts. Il y a de la Finca, il y a de la Yana. Ouais, déjà, on est déjà dans les, dans, on est déjà dans le Hello d'enculé. Charme champion, ah j'ai même pas vu. Ah oui, ouais merde, j'ai crevé avec mon pneu. Ouais, bah déjà, le charme, ça bait un peu le truc, quoi. Champion, mais sur quel serveur? Au Bangladesh? Victor? Non, c'est en Arabie Saoudite. Oh là, wow. Bangladesh, ça passe, ok? On est sur Twitch, attention. Bah quoi? Il y a des mots, attention. Ah ouais? Il y a des étymologies. Attention. Mexique. Attention. Mexique. Ouais, Mexique, ça passe. Non.
Mexique, okay. Ça passe. Ok. Ouais, ça va. Et qu'est-ce qu'il faut en bronze dans Casu? What? Mais pourquoi il était en bronze? Bah moi je suis bien en copper. Casu, en casual, il est en bronze. Mais y a pas de... En casual, y a pas de ranking. Si, si. Si, si. Ah bon? Il y en a sur A. Et il y a MR. Mais moi, c'est pas possible. Non. C'est non. Un smurf. Il recharge même pas, il a 4 balles, il recharge même pas. Mais c'est pas un smurf là, c'est son petit frère qui joue. Mais il est, il a joué 4 de saison. Rien. Jamais de la vie c'est champion ça. C'est champion, champion bourré, sorti de soirée, 3h du matin, tu reviens, tu te fais « Ah, je te jure, je fais une game et tout » avec tes potes qui sont frais comme des gardons et tout parce qu'ils sont complètement décalés, ils ont que ça à branler. Et toi, t'es bourré comme un coin, t'arrives et tu fais ça. Tu crois que t'es à donf et tout ouais, non, mais ça, ce type de champion, oui, je veux bien. Ouais. Le même champion qui fait croire que tu parles anglais et tout, voilà. Non. Non. Mais non. Eh, tu remarqueras qu'il a le même nombre, il a 64 balles. Non, mais jamais champion ça. Jamais champion. Ça, le niveau, je m'en fous du charme. Ça, franchement, P1. P1. P2. P1. Max. Eh ben. Dis-moi tout. Il est champion. Non. Il a acheté le code, il a pas fait une game depuis qu'il l'a acheté en classé. Non, je suis désolé. T'es sympa pour dire P1. Oui. Oui, je suis sympa, ouais. Non. Non, Victor. Victor, t'as acheté ce compte. Victor, t'as acheté ce compte. Victor. Ça, c'est acheté 100%. Vous pouvez pas mentir, les amis. Vous pouvez pas mentir dans Rainbow Six. C'est ça l'avantage et c'est ça la beauté de Rainbow Six. C'est un jeu où tu peux rarement mentir, quand même. Tu vois ? C'est un jeu où tu peux rarement mentir. Réellement. Jamais de la vie champion. Jamais il a été champion, jamais c'est champion. Ou en tout cas, pas avec ce niveau de jeu, pas maintenant, pas tout de suite. S'il était bourré, sous l'emprise de l'alcool, il venait de se prendre 3 winges, c'est sa mère qui joue, pourquoi pas ? Mais autrement, jamais. Désolé. Nope. P1, grand max, c'est parce que je suis sympa. Mais va-t'en, là, c'est de la casual, hein. Mais on s'en fout. Mais on non, s'en non, fout. Il a été bronze en casual. En ranked, il est champion. Ah, ok. Non. Mais on s'en fout de la casual. Dès le début, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Dès le début. Le crosshair placement est pas bon, c'est pas affûté, etc. Champion, les mecs, c'est chirurgical, quoi. Et encore, dans le champion, déjà, il y a déjà... Entre ceux qui sont en bas du champion et le top du champion... qui sont pas dans qui seraient pas qui sont legit pour le coup, c'est déjà un monde. Ou ultra boosted. Ah ouais, non, désolé poulet. Hein. OK. La méga perte de FPS à cause du changement de couleur Nvidia. OK. 142 FPS, tac, on a rétréci le truc, on a remis 142 FPS au cas où c'était pas assez grand ici, en haut à gauche. On est sur Direct 3, on est sur DX11, je sais pas qui est-ce qui écrit, quel logiciel te fait mettre ça. Non, c'est MSI Afterburner avec je sais plus quoi, attends, je vais te dire ça. C'est MSI Afterburner avec, allez, avec Riva Turner Statistique. Je vous déconseille MSI Afterburner. Mais moi, c'est ce qui permet à ma graphique de pas cramer. Mais je vous le déconseille fortement. Il y a des grosses failles. 6-4, tu es beau. Je sais. Voilà, c'est tout. OK. Du coup, bon, ça a pas mis ses fils barbelés. Ça met les fils barbelés sur le 5. OK, c'est chelou. Ok, rien que dans les pics, etc. Là, on pourrait s'amuser, là. On vient de voir 4 secondes. Il n'y a personne en face. Ce n'est pas champion.
Ce n'est pas diamant. Visiblement, ça joue tout seul, puisque tout le monde est mort et ça parle pas. Là, je pourrais presque m'amuser à dire le setup, le fil barbelé, pourquoi pas, le machin, le truc. Il y a eu un castle qui a été posé sur la porte et tout. On est soit gold, soit plate. On va chercher le truc alors que le mec est à gauche, je crois. Hein, sur sa décale. Le mec est en train d'ouvrir, là. On va voir. Mais on pourrait presque s'amuser, là. P3, tu vois. Là, comme ça, je dis P3, tout de suite. On verra après, hein. Mais je dis P3. Comme ça. P3. Attends. J'ai dit P3, j'ai même pas vu un kill. Là, je viens de voir le premier kill. Donc, je peux me tromper. Ok. Déjà, gold 1. Plutôt. Stop, je vais même pas jusqu'au bout du truc. P3, je confirme. Vas-y, dis-moi. Il est pas rank cette saison ni la saison d'avant, mais il pop silver. Hein. Quoi ? Attends. Quoi, comment ça ? Il est pas rank là, mais là, il va bientôt faire ses games de classement et ça va le faire pop silver ? Oui. Bah non, il est pas silver. Faut pas déconner mais non si. Plus. Il est peut-être classé comme moi. Moi, je pense pas que j'ai le niveau copper. Non, il est pas silver, les amis, faut pas déconner. Jamais de la vie, il est silver, il n'a jamais été. Il est autant silver, lui, que le mec d'avant est champion. Ça, on est à peu près sûr. Jamais. Il a l'époque silver, cette saison-là, la saison d'avant, il était G2. Putain, il a fait tuer ici. Ouais. Et la saison d'avant, il était quoi? G2 et G3. Ouais, normal, ouais. Là, G2, on est à peu près... G2, ouais. Ouais, G2, G3, ouais. Des ouais, Russes ouais. Là. Ouais bon on est déjà vu dans les décals et la façon de devenir recherché etc. Rien que là. Ouais gold 2, gold 3. Ouais ça me paraît pas déconnant. Il est gold 1 P3 lui. Oh non je vais pas jusque là. Rien que sur la petite décale. Rien que sur le scanning de la window. Rien que sur ce mouvement là. Tac, là il est mort. Hein. Si le mec a la microling alors qu'il s'est arrêté alors qu'on l'a entendu à gauche, on sait qu'il a une ligne serrée, etc. Il meurt 36 000 fois, il vient pas lécher l'arrête comme il faut. T'as déjà vu des Russes ? Ah oui. Ouais, je suis là. Bon, c'est marrant. Enfin, c'est marrant la fin pour le coup. Ouais, gold 2. J'aurais dit gold 2. Ouais. Et j'avais dit P3 dès le début, donc on est quand même pas mal. Juste sur les décals en 4 secondes. C'est juste pour montrer à quel point parfois on peut déjà donner très très rapidement le niveau d'une personne. Ice Revenge. Gold 3 pas plus. Ok. Oh là 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 là. Ice Revenge. Attention. T'as dit quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le thumbnail, c'est Discord quand il n'y a pas de... Il met du caca. Les gens, ça laisse le notification. Ok. Ah, on va avoir 5 minutes là. Alors, bouclier, t'as vu, lui non plus, il a pas la barre de vie. Il va la fermer sa gueule. Et le rat qui fait un kill. Bébé bouclier enchaîne son deuxième kill. Il va la fermer sa gueule. Vas-y, maintenant. Ok, bon, on enlève les silver et en dessous. On enlève le champion. Une fois de plus, ça joue en gold plate. Ouais, la question, c'est plutôt gold, plutôt plate. Bon, on pourra presque discuter du diamant plus tard. Ça dépend après. Oh, non. On va rétrécir. Mon diamant, c'est chaud quand même. Un D3, pourquoi pas. Je rétrécis le curseur. P1 peut-être. Oui, P quelque chose. P1 ça me paraît pas déconnant, P1. Non, mais j'aime bien ton raisonnement. Ouais, P1, P2, 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 P2
plates minimum, ouais. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, je pense. Je dirais P1. Ouais, P1. P1, P2. Ok. Il est quoi ? Il n'a pas fini ses games de placement. Et pour l'instant, il pop G1. Et avant ? Avant, il était P3. Attends, P3, mais ah P2, oui, mais j'avais pas toutes les infos. Hein. Ça veut pas ripologique. Il joue avec une femme. Hein. Ouais. Ah non, mais ça, j'avais pas l'info non plus. Qui s'handicapait comme ça. Et c'est important quand même d'avoir toutes les infos. J'avais pas l'info. Il joue avec sa copine ou la nana avec qui il a envie. Enfin, voilà, c'est sûr. Bien sûr. Il fait dans le social. Est-ce que tu veux apprendre le québécois ? Ah, on n'avait pas toutes les infos. Ils sont québécois. Bien sûr, Lélo n'a plus aucun sens à ce... Il joue avec sa copine. Ah ouais, non, mais là, faut refaire tous les calculs, du coup. Ah bah, tous les calculs sont à refaire. Eh, t'es drôle, en plus, parfois. Ah ouais. Il est québécois. Et il joue avec sa meuf. Aïe, 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 aïe. Ah non, on peut pas, là. Avec sa blonde. Pourquoi sa blonde, j'ai pas la ref. Binette. Pourquoi j'ai pas la ref, la blonde ? Bah, pour la bière, non. Sa blonde, non. C'est au Québec ? On dit québécois ? Mais qu'est-ce qui se passe si elle est brune ? Bah, c'est peut-être un surnom comme... En Québec, on dit une blonde, pas une meuf. Blonde égale copine. Une expression québécoise. Elle est blonde, pareil. Sa blonde égale sa meuf. Ah mais non, on connaît pas. Blonde et copine à Québec. Ok. Et joue avec sa blonde. Ah, le problème, c'est quand je joue avec la blonde, bah elle comprend dalle. Un style tabernacle de check la sauce dans le culé de Taras. Oula. Qu'est-ce qu'elle a dit la personne? C'est bien mon loulou. Elle est sympa. Tu vas le passer en boucle comme ça. Ah ouais. Oula. Ouais. On n'avait pas toutes les infos, hein. On n'avait pas toutes les infos. Conseil reste entre 1. C'était beau, fils de... Mais il l'a bien coupé. Hein. Va donc à Montréal une fois. Une fois, mais non, mais une fois, c'est au Québec. Mais à Montréal, j'y suis allé 3 fois, les amis. J'ai fait une partie de mes études au Canada, je vous rappelle. Mais du bon côté. Du côté Vancouver. Ah ouais, quand même. Québec, Montréal, c'est bon, j'ai déjà fait 3. 2, 3, 2 fois. Et Vancouver, ouais. C'est à gauche ou à droite ? Je sais plus. L'ouest. L'ouest, quoi. Ouais, donc c'est à gauche. Ouais, à gauche, ouais. Ça dépend après. Tu peux y aller par la droite aussi. Hein. Oh, mais même si tu vas par la droite, ça te mettra à la gauche. Mais à la gauche de quoi ? Des États-Unis. Le Canada, c'est à la gauche des États-Unis ? Mais Vancouver. Ouais. C'est dans les États-Unis. Oui. C'est la capitale. Ah, voilà. Bah voilà. Des États-Unis. Non. C'est quoi la capitale des États-Unis ? Washington. Ah. J'ai retenu. Ah bah oui, j'ai tu retenu. M'étonnes que t'aies retenu. Et Vancouver, c'est au Canada, on vient de te dire. Mais je l'ai étudié en anglais. T'as étudié quoi en anglais ? Vancouver. Oui ? Et il me semble que c'était dans les États-Unis. Ah, on voit même pas du tout ton visage. Et il y a marqué Google, il y a marqué Google Images sur ton front, quoi. Tellement on voit dans tes yeux, sérieux. L'autre, il est en train de check. Donc Vancouver, attends. C'est aux États-Unis, alors qu'on parle du Canada. Voilà, c'est bon. Du coup ? Bah pour moi, c'était aux États-Unis. Ah ouais, non, c'est au Canada. Ah ouais ? Ah ouais, bah ouais, je m'en rappelle. Oh, mais c'est sur la gauche. Oui, bah oui, la gauche, oui. Mais c'est vrai, c'est sur la gauche. Gauche du Canada. Oui, mais c'est un poil de cul, ça touche les États-Unis. Oui.
À côté de Seattle. Ouais, bah moi, pour, dans cette zone-là, pour moi, c'est États-Unis. Oui, bah oui. Eh, la Belgique, c'est bah français, oui, de toute façon. Hein. Eh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah ouais. Mais bien sûr. Bah ouais. Eh, qu'est-ce qu'on s'emmerde, sérieusement? Hein? Aïe, aïe, aïe. Fucking hell. Bon, du coup. Clairage. Clairage nocturne. Attends, on est où? Une lumière blanche. React. Ok, on y repart. Bon, du coup. Overa, non. Là, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, du coup, il était quoi? On s'était gouré. Sinaz. Oula. Il était. Ice Raven, c'était GA. Gold 1. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. Petit... Ouais, ça me paraît pas déconnant. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas déconnant. Ouais, 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 ouais. Alors, du coup, tu, Picard, on c'est a fait. C'est linéaire. C'est linéaire. C'est... Moi, je trouve qu'il jouait beaucoup sur la verticalité, quoi. Oui. C'est ça. Oh là là, il y a Tisma. J'ai toujours peur avec le staff parce que je suis obligé de leur dire hein, c'est bien, etc. Alors Tisma, c'est celui, vous vous souvenez, qui s'autosuce pendant des heures, là, tout le temps. Là. Qui est en mode... Bravo, bien wesh. À gauche, il est mort. À droite, mort. Drone, mort. Mur, renforcé. Bien wesh. GG. Well played. Good night. Et il joue en solo. Ah oui. Ah oui, ouais, c'était hein? droite. Ah ouais, non, gauche, ouais, bien joué. Ouais, mais c'était pas du tout lui. Et c'était pas un autre clip, et c'était pas la même journée. Mais oui, c'est ça. Du coup. Ah ouais, ok. Ah non, pas tracker, là. Oula. Oula là. Oula là. Ah, c'est québécois, ça. Personne côté grand tour. Personne cantine. Ça va attaquer Attic et. Ça drop A. Pardon. Encore. Attends. Mort. 3v4, qu'est-ce qu'il fait le sledge à dropper là? Bon, déjà on n'est pas dans le diams. 2 drop A. 3v5. Prenez une dans les pieds. 3v5. Nomad est mort. Nomad est mort. Encore un. Bon, ça a le charme de la salty, hein, donc c'est bien quand même. Ça plante le diffuse là. Yeah. Où le diffuse? Il y en a au-dessus, au-dessus. Attrape. Ah, forcément. Ah, tu le vois. Bah, rien que le fait que t'aies fait ce move et que tu sois pas douté, qu'il peut pas te voir d'ici. T'as aucun risque, hein. Et il n'y a pas de risque là. Une à gauche, tu peux pas t'y mettre là. C'est pas vraiment risqué. Si tu commences à aller voir le diffuse, en revanche, le mec il est là. Donc, ok. Bon, bref. Plate. Ah. Déjà. Oh, ouais. Plate, gold, max. Ça sera pas diamant et pas silver. Mais cool. Je le dis en plus à droite. Là, c'était au top. Il était dans la mast. Dans la chute. Kit. Ok, bon, en face, c'est con comme une bite. Gold 1, P3. P3, allez. P3, tu joues en team. Tu joues en team, P3. S1 ou Gold 5? What? Pourtant, on était en prac. Ah merde, j'ai insulté une équipe. C'était une prac en face? Ah ouais? Ah bah, l'e-sport, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. C'est pas... Vous êtes tous méchants. Bah, P3, ça. Le... Max. Catasinez, il nous sort un ton D3. Niveau, t'es quoi, Tisma? Abuse pas. Quoi? Bah, t'es P3, mec. J'ai abusé 0 aujourd'hui. De la... je dis la vérité. Je trouve que t'es P3, mec. C'est tout. Tisma. Ah, mais il est modo, en plus, Tisma. Hein? Ouais, bah, il est modo. Il fait partie du staff. Donc, du coup, quand tu lui dis la vérité, il aime pas, tu sais, par définition. Voilà, quoi. Ça met même pas ses fils barbelés, tu sais. C'est pas comme s'il y en avait besoin dans le flag, quoi. Il y a tellement de fils barbelés maintenant dans la nouvelle génération. Bon. P3 max, mon gars. Cette saison, P3 max, mais je suis toujours P2, P1. Mais dans tes rêves, Tisma. En 4 secondes, je viens de te dire que t'étais P3 max et que c'est le truc que tu mérites. Ouais, oh, c'est tout. Déjà, quand tu mettras tes fils barbelés, là, hein. Il y a des tasses au Ouais, quand tu seras plus dans le... Il faut que ce soit affûté comme ça, là. Des petites décales. Même chirurgicales, mon gars. Au scalpel. Là, c'est trop... ça se balade trop, là. Ah, parce que là, t'as été à la perceuse, quand même. Putain, c'est Mopis qui le dit. Voyez-vous. Ok. Du coup, ça, c'est fait. P3 radio. P3, du coup? Ouais. Ouais, ouais. Je suis vraiment fort, quand même. J'aime... Je connais bien ce jeu quand même.
Ariel. Croise en main, pods. Détache, pods. Pardon, je suis obligé de le faire. Ouais, c'est un chien, ça va Ariel. Ça aurait été un chat, j'aurais pas regardé. En revanche, on avait dit pas de musique, mais bon. Ariel. Ariel, fais-moi mentir sur ma misogynie. Ça veut dire quoi, misogynie ? Non, cette fois, il a raison. Quoi ? Cette fois, il a raison ? Moi, cette fois ? J'ai eu raison toute la journée, les amis. Je vais en trouver un autre, alors. Bon, après, tu dis toute la journée, ça va quand même commencer à 16h30. Hein. Je m'inspire pas des bons. Moi, j'ai... Hey, franchement, si je me remets en 4, je termine pas P3, les frérots. Hein. Y a un moment, faut arrêter de déconner. Hein. Bon, ça joue à la manette, ok ? Charme plate. Ouais, il y a de la musique, je peux pas le mettre. Dommage. Ça a mis le son en japonais, donc déjà, ça c'est pas bon ça. Y a que des totos qui font ça. Le son en japonais. Ok, gold... gold 3. Gold 3, gold 2, ça joue avec ses teammates et tout, gold 3. Allez, je regarde pas la fin. T'avais déjà vu un clip, mais ça date. T'es méchant. Mais arrêtez de me dire que je suis méchant, merde ! Après, il t'es sur réaliste. Console. T'es mais sur console, réaliste. Je ne sais pas. Oui, ça c'est l'équivalent Gold 3. Donc, bon, visiblement, t'es méchant. Donc, je vais essayer de rééquilibrer. T'es sur manette et t'as un truc plate. Donc, je vais mettre Gold 1. Gold 1, tu dois être Gold 1. OK ? Et si tu pars avec tes teammates, P3. Non. C'est véridique. Ouais, c'est véridique. Bah dis-nous, Ariel, que veux-tu que je te dise ? Il nous sort un champion. T'es plate ! 3 ! P2, P3, max. Bon, bah j'étais pas si mauvais quand même. Pourquoi tu dis je suis méchant ? Je t'ai pas dit que t'étais Silver 4. J'ai tapé sur Gold. Arrêtez de dire que je suis méchant. Tu mets pas tes mutes. Et c'est important ça quand même. Tu vois ? Des petits détails comme ça là. Ouais, voilà. Ah non, mais c'est vrai. C'est comme le fil barbelé de tout à l'heure ça. Moi ça me parle ça. Hein. Parce qu'à chaque fois on se dit oh la flemme ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Bah après c'est sur manette. Donc je ne suis pas un expert de R6 console. C'est dur pour moi. Mais ouais, je mets ça, ouais. Ok. À toi, Mopiz. Allez. Vas-y, dis-nous, Théo. Oula. Oula, ça commence mal. Théo le lavabo ? Oh là 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 là, il y a du XX, il y a de la PlayStation et tout. Oh là 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 là. Ça, je me mets en full écran. Et du coup, elle était. P3, elle avait pas encore pop. Elle a pas fini ses games de placement. Bon, bah alors, j'avais dit quoi ? J'ai un. Ouais. Game sense. J'ai hâte. Je m'en pourlèche les babines. Dites donc, j'ai pas commencé à regarder. J'ai vraiment hâte de regarder ce clip. Ace et clutch. 1v2. Une et ouais. Ouais. Ouais, on va regarder ça. Six. Ouais. Attends, quoi ? Six quoi ? Je crois qu'il est pas fort en maths, je crois. Non, XX. C'était la mode sur les pseudo PS4. Ah bah oui, c'était la mode à l'époque où les icônes étaient comme ça. 59 ouais. FPS, on est bien sur PS4. Mais comme vous, attendez, vous mettez des clips PS4 qui ont 20 ans aussi. Comment... Oh là là, mais comment voulez-vous que... Oh là 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 là. Non, j'ai pas pu. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. C'est oh là 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 là, stop, j'arrête, je viens de choper le sida. Et voilà, et ben voilà, c'est fait, bravo, merci. Ah non, c'est bon, je viens de choper, là j'ai mal à la gorge en plus. Je sens que j'ai chopé une MST en regardant ce clip. Vraiment, je le sens. Hop, ah non, j'ai chopé un truc. Et du coup, je peux faire mon analyse ou pas ? Non, ça sert à... Bah vas-y, dis-nous tout. Alors, pour moi... Attends, tu vas regarder jusqu'au... Analyse tout. Allez. Bon, dis que ça c'est joué sur PlayStation. Ouais, bravo. Elle était où, le Golki ? Ah bah ouais.
ça connaît la map. Elle a un HP, voilà. Pourquoi il va tout doucement là? Il est constipé? Dernier agent op fort. Mopi, j'ai dit un truc là. Bah j'analyse. Ah ouais, on voit ça, ouais. Bah là, pour moi, c'est pas plus haut, pas plus haut que P2. Allez, P1 max. Mais parle pas toute seule aussi, Ariel, va sur Discord, y'a du monde. P1 max, quoi. P1 max. Et il a un charme gold déjà, j'ai l'impression. Oh, oh là 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 là, mais quel game sense. Hey, c'est clutch au game sense. Hein. Merci. Je t'en prie. Eh, c'était l'enco, je t'ai dit, hein, et il m'a dit en WhatsApp. Des 3 max. Waouh! Des 3 max. Ok. Des 3 max? Ouais. Non? Gold 1. Moi, je dis. Il est quoi? Ah non, ah non, pour moi il est okay. P3. P3, P2, P3. Pendant 1, 2, 3, 4 saisons, il a pas fait de ranked, donc il a pas été classé. Et après il a pop gold 3 mais et si... il a terminé gold 1. Non, il est pas, ça fait 3 saisons qu'il est pas, qu'il fait pas de ranked. Il a, pendant l'année 6, été 2 fois diamant. Diamant quoi? Diamant 1. Comment oh, tu lui as chié à la gueule. Oh putain. On parle quand même d'un diamant 1, un gold hein, quand Bopise. Même. Hein. Année 4 et 5 il a été platiné. Ah ouais non mais là c'est pire que de la merde de moineau. Ouais bah c'est bon t'as compris. Vas-y Sinas quoi. Il a fait, si tu veux je te dis dans l'ordre, bronze, silver, gold. Gold. Platine. Platine, diamant. Ok, attends. Non, mais attends, mais là le dernier grade, il est quoi? Son dernier grade remonte à l'année 6, diamant. Ah ouais, je sais pas, ouais. Et diamant 1, hein. Pas gold 1, hein, au cas où que t'avais pas compris. Non, mais Gunman, attends, c'est dur pour nous, Gunman. C'est dur, enfin c'est dur parce que le clip est vieux, c'est difficile de se remettre dans la méta de l'époque et tout sur console. Et moi, c'est normal que je sois largué, les amis. Franchement. Ok, pourquoi pas. On va aller voir Legendary du coup. Ah bah là. Par contre, moi je vais devoir aller manger. Ah bah oui, excuse-nous, 20h10, Claude appelle. Bah j'ai faim moi. Bah ouais, j'ai faim moi. Bah écoute, à plus tard, Mopiz. Tu passes la bise à tes parents? Allez. T'embrasses ta mère? Allez. Tu lui dis merci? Je demanderai même pas pourquoi, tu sais quoi. Elle comprendra. Ouais. Allez, bisous, Mopiz. À demain. À plus tard. Ciao, Mopiz. Ouais, c'est vrai, demain, il y a les héros d'Oregon. Ah, on avait oublié de le dire. Ouais. Du coup. Oula. Ok. C'est sur manette ça? Ça c'est sur Xbox, je crois que c'est le premier clip sur Xbox qu'on m'envoie. Il fait partie des 3 seuls joueurs qui jouent encore sur Xbox. Il a 923 abonnés. Il est sur Xbox. Il y a moins de monde. Ça va taper le diamant ça. Ah mais merde, P1, D2 et l'eau. Ah, il l'a mis. Mais ouais, j'aurais dit ça va taper le diamant. Eh, P1 D2, quoi, comment mieux définir que ça va taper le diamant quand on met P1 D2? Moi, je dis P1 D2. Quelle bande de bouffons. Toujours il en react? P1. Non, on est en guess my rank. Il est P1? Ouais. Ah, ok, donc il... Ouais, entre P1 et champion. Ouais, plutôt P1, quoi. Ok. D'accord.
Polynure. Il est sur quoi? Bah, mais fâche. Vous me faites chier avec la console, les mecs. Je sais pas, moi, sur console. On devrait interdire les clips console parce que je n'ai aucune idée, en fait. Ah, bah là on se prend dans le mur, on vise dans les couilles et tout. Ça doit être au moins champion, ça. Voilà. Plate. Non, en vrai, on les a vus, les champions au Salty Duel et tout. Ça tape dur quand même. Ah, je déconne. Oula! Mais il part aussi vite. Bah, il peut pas faire grand chose là. Il va rejouer au niveau du white, c'est pas si con. Oula! Oula! Bah ouais, quand même. Enfin, c'était le truc le plus logique quand même. Ok, il est P2. P3. C'est ouf, c'est l'autre gars qui joue sur Xbox. On vient de voir toute la commu. Il y en a au sol, non? Il est au sol, le dernier, non? Ah non, il est juste con. Ok, gold, P3... Gold 1, allez, je dis Gold 1 et j'arrête sur Gold 1. Oh, quoi que, on est sur console. P3. P3? Ouais, je peux aller voir rang dans la description, il a mis. 3, 2, 1. Silver 3 faire, hein. Oui. Oh, il est pas Silver 3 quand même. What? Non, mais on est d'accord qu'il vaut pas son Silver 3. Vu les mecs en face, oui, on est d'accord. Mais lui, non. Lui, il vaut pas du tout son Silver 3. Je suis désolé. Je suis désolé. Au moins Gold. Oui, au moins Gold, ouais. Au moins Gold. Si, ok, nous dit Gassix7. Non, non, je te le dis, moi. Il vaut pas son Silver. J'aurais dit Gold 3, Gold 2, en vrai. Ouais, Gold 3, pas plus. Ok, pas plus. Ouais, ouais. Il a des bons déplacements. Les mécaniques sont pas trop connes. Non. Il mérite pas son Silver. Il devrait être au-dessus. Du coup, on va aller voir là. Oh là, 10 secondes de clip. Ça va être dur. Ok. Ok. Ok, on est sur console, plate 2. Let's go. Plate 1. Merci Snexy pour les 3 mois. Vous êtes des monstres, les amis. N'oubliez pas le charme de la Salty Academy pour les informations de charme. Et n'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo qui vient de sortir. Je dis P1. Je coach Mopis, 15 ans, qui est passé tout à l'heure nous voir, les amis. N'hésitez pas. P1, moi, je dis. Ok. Et P2. Ok. Ouais, voilà, normal, ouais. Non, ça va, c'est pas déconnant. On est bon. Là, la vidéo vient d'être envoyée par Tisma, les amis. Si vous pouvez la liker, la commenter, la partager, ça nous ferait extrêmement plaisir. Vibracy en Xbox. Eh, les mecs, ils vous manquent ou quoi? Franchement. Oula. Oh là là. C'est pas tout derrière là? Moi? Ah, mais non, c'est Vincent. Merde. Non, c'est. Comment il s'appelle ton père déjà? Fred. Frédéric, putain, merde, c'est vrai. Ah, je croyais que c'était chez toi qu'on entendait. Oh, là, j'en ai aucune idée, franchement. Gold 1. C'est sur manette. Hein. P3, mais shoot de bronze. Gold 1. Il est quoi?
Il est P3. Ouais, bon, pareil. Golden, P3, pareil. Ça va, on est bon. On est bon. Vas-y, je vais aller voir des étudiants un peu avant de terminer là. Ace 1-5 en plus. Ah, merci. Hein. L'autre, il veut qu'on s'abonne à sa chaîne. Non, je déconne, je vais m'abonner. C'est ça que tu veux qu'on aille voir ou quoi? Trop fort. Drone invisible plus bug. Ace 2v5 plus win game. Prendre son ace en 35 secondes. C'est lequel? Eh, je trouve pas son pseudo à lui, donc bon. Ah merde. 2v5, c'est celui-là? Negan. Et celui-là, perdre son ace en 30 secondes, on l'a déjà vu? Non, il veut mettre celui-là, là. Ace 2v5 plus win game. Mais pourquoi vous êtes deux? 2v5, je pensais que les autres étaient morts, pas qu'ils étaient partis pisser. Ok, ça peut pas être diamant déjà. Oula, rien qu'avec le move là. Ça peut pas être plate non plus. Ah, le crosshair est pas bon. Oula. Là, je sens le gold de 3. 144 FPS. Bombe localisée par Alpha. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Pas très affûté ça. Gold de 3, je dirais pour le moment. Gold 3, je confirme, Gold 3, ouais. Après, ça joue Finca, quoi. Ça a un semblant de... Ouais, il y a des logiques grossières. Gold 3, Gold 3, Gold 3. Je dis Gold 3. Je l'ai pas sans rank. Ah merde. Tu, t'es là? Negan. Gold 1 max. Non, arrête avec tes max là. Arrêtez avec ça là les amis. Je suis gold 3 mais j'ai un niveau gold 1. Non. T'es quoi à l'heure actuelle là? Actuellement gold 3. Ouais, bah voilà les amis, ça trompe pas, ok? L'œil de l'expert. Ah ouais. Ariel, t'es sûr? J'y retourne. Tu vas pas te plaindre, hein? Je vais regarder. Ouais. Ça va, hein, franchement. C'était pas dégueulasse, mais bon, P3, quoi. P3, grand max. Ah, mais non, mais c'est pas Ariel, ça. C'est Ishido. Merde. J'ai pas cliqué au bon endroit. Ah, je comprends plus rien. Ah, mais t'as balancé le lien d'une autre personne. Ishido, P3 max, moi, je dis. Ishido, elle est... Il est, du coup, je pense. Enfin, on sait pas, mais... Merci, Team Nitro, nouvel étudiant, bienvenue, poulet. Elle est... Diamant 1. Diamant 1 ? Oui. Elle est diamant depuis plusieurs saisons. Depuis l'année 4. 6, pardon. Elle a déjà été champion. Deux fois.
Il ouais du coup. Et voilà. Ça essaie de donner les doigts. Ça coûte cher un compte sur... Je demande. Je sais pas du tout. Oh Ishido ! Non. Non. Non, si tu compares avec les champions qui viennent sur les salty duels, etc., machin, je suis désolé, il y a un monde. C'est pas mauvais. Après, je ne suis pas un expert de la manette, ok ? Je ne suis pas un expert de la manette. Mais diamant grand max et D3 grand max pour moi. À la limite, un bénéfice du doute, D2 sur de la PlayStation. Allez, j'augmente, le niveau doit être un peu moins bien. Donc D2 sur PlayStation. C'est tout. Grand max. Mais désolé les amis. Hein. Après, ça n'a rien à voir avec les mécaniques. Ok, je sais, la manette, le machin, etc. Truc mûche quoi. Mais juste un truc. Vous allez m'insulter pour ça. Vous venez avec un niveau comme ça sur PC. Ok. Vous vous souvenez quand vous étiez en CM2 et que vous étiez les plus forts dans la cour, etc. Et derrière, vous êtes passé au collège. C'est la même. Hein. Bienvenue dans la cour des grands. Hein. Et ça, c'est un niveau... Soit tu sors des trucs comme ça sur PC, sérieusement, tu finis golden ta saison. Véridique. Donc c'est hyper dur pour moi de... Ouais, D3 Max, quoi. D3 Max PlayStation. Ah, là, c'est pas affûté, hein. Non, c'est pas affûté du tout. Mais D3, je suis gentil. Et c'est même pas du sel. Hein. C'est vraiment la vérité. Après, il y a des bonnes mécaniques, quoi. Mais ouais, D3. D3 Max. D3 Max. Ouais, en face, les gens, ils font quoi? Cronus Detected? Ouais, mais Brain absent. Ouais, mec. Mais à partir de P2 sur Play, c'est 85% de clavier souris. Ils vont juste pas sur PC car ils vont se faire trier fiac. Oh, mais d'où est-ce que tu sors tes stats des 85% de clavier souris, là? Les amis, je pense qu'il y a... Ok. Je pense qu'il y a plus de personnes qui trouvent l'excuse qu'il y a beaucoup de claviers souris que réellement de claviers souris. Ok ? Voilà quoi. J'en suis quasiment intimement convaincu. Le mec du genre, oh mais lui les claviers souris, c'est une bonne excuse. Ils sont morts ? Si vous étiez très très bon de toute façon, vous pouvez voir quand le mec a des claviers souris, ça se voit très vite. Oula ! Je sais pas si c'est pas partagé. Ok. Pour être sur console, je confirme. Il y en a 10% grand max. Ouais, bah après, je veux pas donner des stats, mais bon, voilà quoi. Ok. Bon, Tisma, on a déjà vu. Gunman, on a déjà vu. Théo, on a déjà vu. Waslo, on n'a pas vu, mais bon, faut pas déconner, les amis. Hein, je vais pas commenter des trucs d'il y a 10 ans quand même. Le balcony sur Trophy. Azalax, c'est un tracker, faut pas que je le claque là, je vais y faire la même erreur que tout à l'heure, attention, ça va. Ok, comme ça, je vite fait, hein. Jeter comme ça, P2. Oh, peut-être un peu mieux. P1. Lui, il est con comme une bite. Oh, désolé, c'est un... Ça, je trouve, c'est un prac.
et j'insulte gratuitement des gens. Ça me dit quelque chose, ces pseudos là, je suis désolé. Ah mais attends, et ça se trouve, je vais dire tout à l'heure, il va y avoir marqué BDSLM, c'est... Ah lui, il est vraiment nul. Et je vais pas m'en rendre compte. Ah, le setup est bon, ça joue avec une bonne équipe. Donc déjà, individuellement, par définition, on a un meilleur niveau. Ouais, je vois petit Wamai qui est connecté. Je vois les Alibis qui sont mis. On n'est pas dans du gold, clairement. C'est affûté, ça joue bien, ça tremble pas. Là, c'est dégueulasse en revanche, hein, c'est décal, mais bon. Là, tu te fais punir en vrai. Et lui, bon, bah lui, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Jamais, jamais. Il pensait qu'il allait peut-être pouvoir se barrer EDF au final, mais... Normalement, avec le son, quand le mec se fait décaler, etc., jamais il va tenter le machin. Au pire, il s'allonge s'il était en train de planter des faux, quoi. Ou il flash avant de décaler dans le highway. D3 D2 Est-ce que je mets un D2? Je dis D3. Je dis diamant 3 là-dessus. Ça peut monter D2 parce qu'il joue en team. Allez, je dis D2. Sur Azalax? Ouais. Il est... G2. Il a pas encore pop. Il est rank. Mais pop G2. Et avant, il était... P3, G3. Bon, il y a la fatigue, là. J'ai dit quoi? J'ai dit D2? Ouais, je fais de la merde. J'avoue. Non, mais... My bad totalement. Il y a des fois où j'essaie de pas... Je veux pas... Je veux pas être méchant. Mais ouais. Ok. Donc gold, plutôt bas du platine. Bon, moi, je me suis gouré sur celle-là. Voilà, le point au mieux, c'est... Ah bah non, c'est le replay. Il est en bêta. Sympa ce petit jeu. Dès qu'il est release, ça va être cool. Lui, il est pas trop élevé. Bon bah, il est, bon. Il est pas plat déjà. Gold 3. Gold 3. Silver 1, Gold 3. Gold 3, Silver 1, Silver 1, Gold 3, un truc comme ça. C'était du P1. Bah pourquoi ils disent que t'es en... Azalax? T'étais en P1 sur la game, mais toi t'es en quoi? On a regardé visiblement sur Racist Tracker, t'es Gold. Racist Tracker, il a 2875 MMR. C'est G2. C'est comme moi. Ok. Attends, de quoi? Où ça, qui? Là, la personne là qu'on regarde là? Ah non, là qu'on regarde, je te l'ai pas dit encore. Ah oui, d'accord. Mais je l'ai pas, même celui qu'on regarde, je l'ai pas. Merci le Guise d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit scolarisé au sein du campus de la Salty Academy pour Sir Lelar ou Sir Lelar, pour Mister, pour Amnesia Boy, pour... I am Yatori et pour Tasgang ou Titi Tasgang même. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Tu ne l'as pas celui-là? Non, celui-là je l'ai pas. Non, oh, Silver 1, je dis Silver 1. Il a pas joué cette saison. J'étais à une game du D3. Ouais, platine, mais je me suis enflammé quand j'ai dit D2 quand même, Azalax. D3 max quand même. Sur la décale sur le mec Pilar, c'est pas assez affûté quand même. T'aurais dû te faire punir. Mais oui, j'avoue, j'ai un peu abusé. Mais pas gold non plus, quoi. T'as pas un niveau gold, t'as un niveau platine, quoi. Platine 1, pourquoi pas. Ouais, bah les autres, c'est platine 3, platine 2. Mais c'est quand même Gigi et Lija. C'est qui? Merci, Léo. Pour les 2 mois de frais de scolarité, les poulets. Plus petit que 3.
je connais pas tout le monde. Je regarde jamais de contenu, les amis, moi. Surtout depuis un an, là, où je suis un peu enfermé. Ok. Du coup, let's go. Tisma vient de m'envoyer le gars qu'on regarde maintenant là. Ok, bah il est Silver 1. Non. En dessous ? Au-dessus. Oh, nique ta mère, il est pas au-dessus. Non, jamais. Mais non, il est pas au-dessus. Jamais il est au-dessus. Ou pas beaucoup au-dessus, quoi. Gold 3 ? Non plus. Oh non, mais non, c'est bon, j'arrête. Il est boosté. Voilà, il est boosté. Gary, t'es boosté, frérot. Hein. Gary, t'es boosté. Ah, c'était Gary ou pas ? C'était Gary ou c'était quelqu'un d'autre ? Ah oh, merde, c'était oui, peut-être c'était pas... Gary. Ah, c'était Gary. Gary, t'es boosté ! Gary, t'es là ou pas ? Va voir mon tracker, Gary G4RRY.B7, il s'appelle. Oui, je l'ai là, tu peux Uplay. Et vas-y, bah dis alors, il est quoi ? Il est G1. G1. Le clutch est beau, cela dit. En 4-4 en plus, A4-4. Ah, gol, là, là, c'est dur, ça. Oh, heureusement que l'autre est con comme une bite, hein. Pas de casque, du coup. Ouais, non, les mecs en face, qu'est-ce qui leur arrive ? Non, gold... Est-ce que tu fais des game viewers sur Ready or Not ? Oui, ça dépend, poulet, mais ouais, peut-être qu'on ira tout à l'heure. Là. Ok. Non, gold... Ouais, Gary, un peu boosted, hein. Un peu boosted. Après, t'as le cerveau, ça se voit, t'as le cerveau. Les mouvements étaient bons. Les trajectoires étaient bonnes. Mais les mécaniques à la souris, elles sont un peu encore pas assez affûtées, quand même. La Ying, elle aurait dû te tuer. L'autre, il est con comme une bite. Là, le sledge, là, on sait pas ce qu'il a fait, quoi. Bon, après, il joue sur un timing aussi. Il fait droite-gauche, le pauvre. Mais bon, il a jamais à redécaler. Il a aucune raison de te redécaler. Il se donne tous, en fait. Non, il faut juste... le cerveau est beau sur les trajectoires, mais il va falloir... C'est les mécaniques qui sont... qui me donnent l'impression que... on était dans le haut du silver plutôt que dans le bas du gold ou autre. Ok. Spoit. Oula. On va aller voir Spoit du coup. Oh, et puis sur Twitter, en plus, avec la qualité, j'aime beaucoup. Ouais. Spoit après le vaccin, quand même. Et puis pourquoi vous filmez vos écrans là, sérieusement ? C'est un écran cathodique ou quoi ? Ou tu joues dans un frigo ? Ça va, hein, mais les gens sont cons, gun, en face, poulet. Hein. Les gens sont cons en face. 11 secondes ace in 5v5. Oula, on va plutôt regarder ça. C'est beaucoup plus intéressant. Ok. Ah bah
ça a l'air sympa. C'est cool, Twitter. Oula. C'est Spoik. Spoak. Spoat. S-P-O-U-A-T-E. ok. Non, mais ça va. Regarde, Six, c'est PC maintenant, pas PS4. Non, mais ça va, t'as un bon niveau. Un niveau plate 2, quoi. Max, pour le moment. Ah, mais il est P1. Il est P1 ? Ah, ouais. C'est boosted, ça. Ça t'achètes beaucoup tes comptes, hein, Gun, hein. Gun, attention. Sentinel, le cheater de Teachers. Il y en a ta longue mort. Mort à mais lol, cheater en Teachers. 5100 vues. Mais va te faire enculer, d'où tu m'as demandé mon autorisation. Et les droits d'auteur, enculé. Bam, allez. Tac. Long Kitchen. Non. Rappel à quoi ? Mort. Nice. Ouais, je m'en souviens. Encore un bagage. Ouais, mort. Ouais. Nice, super. 6-4, je t'envoie comme je joue, mais va te faire. Ah ouais, bah, mais que veux-tu que je te dise, poulain ? Mort. C'était bien les petites choses quand même. Pour vous surtout. Oh, je l'ai. Mort. Ouais, ça, ça cheat là. Là, ça cheat, je suis désolé, Sentinel. Je sais, ça date d'il y a 10 ans, mais bon, c'est, j'ai que ça comme clip court. Sinon, c'est de bonne qualité pour les autres. Mais fais d'autres clips, ok ? Au lieu de nous faire chier avec tes trucs d'il y a 10 ans, là. On retourne en ranked. Merci, Lebron, pour les 33 mois de frais de scolarité, poulet, t'es un monstre. Attendez, on va voir ça. Bon, on l'avait vu tout à l'heure, le combo Salty Academy plus le skin là. Oula. Fefe, on l'a déjà vu tout à l'heure, non ? Carbonara.txt. On l'avait pas vu tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses, poulet ? Ah bon ? Fefe, bah les mecs sont teubés en face. Et lui, il est quoi ? Lui, il est P3. Ah, mais c'était une façon de parler à mon chat, Sinaz. Ah, ok. Il est diamant. Ok. Bon, c'était le dernier, de toute façon. Bon, merci, Lebron, pour les 33 mois. T'es un monstre. Envoyez plein de GG et de cœur, s'il vous plaît, pour le Guise. Vraiment. Qui a régalé 5 personnes. Bon, on n'était pas trop mal, quand même. On aurait pu faire les. La prochaine fois, on pourrait se faire ça en mode. Avec de l'argent à parier. Qu'est-ce que t'en penses, Sinaz? Tant que c'est pas le mien, ça me va. Ben, c'est celui de Frélé. Ou alors une bouteille. Une bouteille. Une bouteille de quoi ? De vin, ouais. Bah ouais, faut une voir. Bouteille de vin. Et il fait quoi, ton père ? En vin. Me dis pas vite. Oui, non, mais voilà, j'anticipe. C'est pas lui qui fait le vin, c'est la cave qui le fait. C'est pas lui qui fait le vin, c'est lui, la cave. Il récolte le raisin. Le raisin. Et le raisin qu'il récolte, il finit dans des bouteilles. Oui. Ok. Et dans, il bosse avec différents châteaux ou un seul ? Ah non, mais c'est pas des châteaux. Bah, tu parles loin. Pourquoi des châteaux ? Bah. Le nom de la bouteille, souvent un château, un domaine. Il envoie ça à la coopérative agricole. La coopérative, ouais, du village. Du village ? Et après, voilà. Si demain je voulais acheter de la bouteille avec son vin et de son... Non, c'est pas possible. Il n'y a pas un nom, c'est quoi ? Ben, si, il y a un nom, c'est Fondjoya. Mais t'achèteras pas le vin de mon père, t'achèteras le vin de la cave coopérative. D'accord, ok. Ouais, ouais, non, mais d'accord, ok. La coopérative du village, pas de lui, quoi. Bah oui, non, mais j'ai compris. Et eux, ils ont du différent cru, du coup, j'imagine. Voilà. En fonction des différents cépages et tout, machin, 10% de Syrah, de trucs, de machin, non ? Voilà. Ok. Eh ben, tu nous ramèneras une bouteille. On en verra. Ok. Bon, allez, merci poulet, on se retrouve demain soir ? Ouais, demain, merci. Ça va aller ?
Ouais, ouais. Eh ben merci Sinas, bisous poulet, ciao ciao. Bisous. À demain, merci pour tout, ciao ciao. All right, ladies and gentlemen. Bon, c'était cool le petit Guess My Rank. Ça va, et il y en a quand même 2-3, allez on va dire, ouais, quand même 5 où j'étais complètement à côté de la plaque. Et quand même une bonne dizaine où on était plein dedans quand même. On ne peut toujours pas se pencher sans viser sur console, même avec un clavier souris, parce que j'ai des killcams louches parfois. Oh. Mais qu'est-ce que vous me demandez ça à moi, les amis? J'en ai aucune idée. Hein. Posez la question sur Discord, justement. J'en ai aucune idée. Genre, vraiment. Moi, je retiens un truc, je suis trop fort, MDR. Non, Tisma, tu pues la merde, mec. Tu pues la merde. Tu seras hardstuck Détroit, quoi. Len te mange au shotgun. Ok. Kléga aussi. Et il devient quoi, Kléga, là, ton fils, là, le Guise, il fait quoi, là? Vas-y, je vais cliquer sur le tien, là. Oh là, 10 minutes et tout. Hein. Je dis diamant. On pourra jamais savoir. En plus, t'as mis de la musique. Mettez pas de la musique, les amis, si vous voulez que je me fasse strike. Ready or not, 6, c'est possible. Mais je suis extrêmement dégoûté parce que ce soir, on va chercher le S, en fait. Mais pas comme il faut. Parce qu'ils ont décidé de faire un truc à la con sur Ready or Not qui fait que maintenant, même si t'es touché et que tu te prends une balle, t'as quand même le S, quoi, visiblement. Voilà. Donc, je sais pas s'ils sont là, les yayos, les autres, là, les petits bâtards, là. Ah, on m'a envoyé un truc, là. Ah, je peux pas vous teaser. Parce que la qualité est pas ouf. Perso, je suis là si jamais. Est-ce que vous êtes là, bande de noobs? Est-ce qu'il y en a qui sont dispo? Hein. C'est très cool à part le moment où on a parlé de sport. Plus personne joue avec moi du coup, hein, Tisma? Comme Kléga est en vacances. Oh là! Attention, Tisma. FR Qualifier again. Mais on l'a déjà vu, ton truc! 8-11-2020, Sentinelle, putain! Arrête, là, de nous ramener tes vieux trucs et tout, là! On dirait moi qui parle de ma Pro League! Merde! Franchement, c'est bon, c'est bon! Et moi, 3 mois après la Pro League, on me disait, oh, c'est bon, ferme ta gueule. Alors, à toi, ton clip, là, de French Qualifier et tout, d'il y a 2 ans, tu nous en sors d'autres, s'il te plaît? J'ai reset mon PC, j'ai plus de clips récents. Ouais, reset mon PC. T'as reset YouTube aussi, enculé? Putain, t'as reset le cloud. Ah, j'ai reset le cloud, les gars. Bah ouais, vous savez pas, OVH a planté. J'ai perdu tous les clips. YouTube a planté, j'ai plus un clip. C'est des highlights sur YouTube. Bah c'est pareil. Ok. Pourquoi il y a cette musique là? Chelou. Ils viennent les autres ou quoi? Non, je suis pas là ce soir. Boulot, boulot, nous dit Akui. Quentin nous dit... Non, désolé, pas là ce soir. Désolé, t'auras pas ton meilleur smoker de Ron. Désolé. Je suis là. Ah, oui, je suis chaud, nous dit Deltardos. Ah, bah venez dans la salle d'attente. Hein? Voilà, quoi. Tu pues la merde, t'es gold 3, max. Ah. Allô. Voilà, c'est important de garder un bon lien avec mon staff. J'aime bien. Bonjour. Hello. Bonjour. Est-ce que tu as vu la vidéo? Ouais, c'était... J'ai bien rigolé. Vous avez compris qui est-ce qu'on était en train de targeter dans l'avant-dernière vidéo avec... avec les monteurs qui sont partis au Mexique. Voilà, voilà. C'est non, quoi bah, le toi, programme toi, là? Bientôt, tu vas me rejoindre de façon. Hein? Excuse-moi, je suis en train de manger. Bientôt, tu vas me rejoindre de façon. Fait que toi, excuse-moi, tu es en train de manger. T'es toujours en train de manger, mec. God damn alors, it. Je mange un truc hyper bon et hyper simple à faire. Je l'ai fait là juste avant, c'est pour ça que j'ai répondu un peu tard au message. Devine c'est quoi? Une bite. Bah oui, bah t'es monteur, donc quelque part... c'est un peu ton métier. Oui, tu as raison, Skyrose. C'est très très bien ce que tu fais. Tu tires très très bien à la Dragunov avec une lunette à 4 mètres. Oui, Skyrose. Oh putain. God damn it.
Ok, bon du coup. Ouais, tu dis, tu manges quoi? Ouais. Ok, et fais écouter. Ok, attends. Non mais ça s'entend pas, le micro il détecte pas. Ok, mais ça a l'air légèrement au liquide. On dirait que tu manges de la danette. Hein. Non. Ok. Mais il y a un peu de liquide. C'est sucré. Allez, ou salé? Non, non, non. C'est ok, c'est salé. Ok. C'est pas un empanadas? Non. Un tacos? J'aurais aimé, mais non. C'est je pas un cul, indice, ça on en est sûr. C'est un truc frais. C'est pas un cul. Aïe aïe aïe. Un hamburger, de la purée. Non, 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 il mange, il est au Mexique, donc c'est à base d'avocat. J'en avais plus, mais sinon j'en aurais mis. Ah, c'est du guacamole. C'est un truc qui est en France aussi. Hein. Ah oui, c'est un truc qu'il y a dans le monde entier. De l'eau? Non. Non, vous avez pas ça là-bas, il y a que du coca. Du chili con carne. Mais non, il a dit frais, les amis. Non, c'est un truc frais. Il mange une glace, à mon avis. Non. C'est un truc qui peut se faire très bien chaud, frais, dans plein de trucs, dans plein d'aliments, plein de repas. De la crème fraîche? Non. Du gazpacho? De la pastèque? Non plus. De la salade? Une carotte? Une salade de riz? Non. Il n'y a pas plus simple et plus frais en termes de salade. Une laitue? Non. Mais comment est-ce que ça pourrait être plus simple, une salade, qu'une salade, en fait? Une tomate, par exemple. Ah, avec de la mozzarella. Non, il n'y en avait pas. Tu manges une tomate, en fait? Non, j'ai pris plusieurs tomates. Wow. Et je les ai assaisonnées, j'ai découpé en petites tranches. Ouais. Et je les ai assaisonnées avec une salade, une sauce maison, vinaigrette maison. Ok. Genre moutarde, huile. D'accord. Et c'est tout. Ouais, tu manges une tomate en fait. C'est pas vraiment une tomate. Non, je croque pas. Ah oui, t'as pas un rond en fait. Ah oui, Skyros te paye très mal. Ah oui. Non, mais si je mange light. Tu viens de dire, je me suis fait une petite salade, etc. Machin. Tu bouffes une tomate en fait. C'est ce que t'es en train de nous dire. Attends, j'ai mis de la vinaigrette par-dessus quoi. Ah, fait maison. Fait maison, bah oui. Non, en fait, genre, je suis pas allé faire les courses. Genre, je mange que des trucs hyper light en attendant parce que j'ai pris un chef. Ah oui, bah ça va, dis donc. Bah. T'as pris un chef light. Attends, oui. T'as pas un meuble dans ton putain de truc là? On dirait une map de Ready or Not, là, ton appartement. Mais tu vas prendre un chef? Bah, c'est pas très cher en vrai. Oui, mais les meubles non plus. Oui, mais moi, en fait, vu que je mange au bureau, en fait, dans ma maison, elle sert juste à aller dormir et prendre ma douche le matin. La cuisine, elle est vide. Je fais pas à manger, je fais rien là-bas, tu vois. Ok. Donc, bah, vu que généralement, je commandais beaucoup Uber Eats ici au bureau ou que j'allais faire les courses. Et en vrai, ça, ici, ça revient à limite un peu plus cher de faire les courses que d'aller au restaurant tous les jours. Sauf que bah, j'ai pas le temps d'aller au restaurant. Et du coup, j'ai pris un chef. Okay. Non mais parce que au restaurant après voilà ça peut être du tacos ou au petit truc voilà quoi. C'est oui bah oui bah, c'est le Mexique. Fast food à tout quoi. Tacos à la banane, tacos à la tomate, tacos chantilly. Merci Psychose pour les 50 francs scolarité, t'es un monstre. Un petit café et tacos. En vrai c'est pas cher je trouve par rapport à ce que c'est. Parce que genre c'est des trucs hyper light parce que vu que bah voilà aussi il faut que je perde, j'ai un peu beaucoup pris et faut que je perde, bah t'as vu dans la vidéo hein, voilà quoi. Yo, Del. Tu fais combien, là, en mensuration, là? Je suis 1m83, et quand je suis venu ici au Mexique, je faisais 110. Tu fais 1m83? Mais Skyros, il fait combien? Ouais. Il est plus grand que toi? Ouais, il est plus grand que moi. Il fait combien, ce bâtard? Je sais pas, mais il est très grand. Et je faisais 110 quand je suis arrivé, et là, je dois...
faire peut-être 5 kilos de plus. Je me suis pas pesé, mais j'ai des t-shirts qui me vont plus, que j'ai pris, qui m'allaient au début. 115 là ? Ouais, je pense. Ah ouais, mais les mecs, ils doivent te parler espagnol dans la rue. Ils pensent que t'es un local, non ? Mais en fait, je me suis rendu compte... Allez, Non, je ne suis pas d'ici. Ah, pardon. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que fallait que je fasse un truc urgent quand, à partir du moment où j'étais dehors et je faisais des vocales et j'arrivais pas trop à... J'étais essoufflé quand je parlais dans la rue en marchant. Et quand je suis allé au stand de tir, pareil, ça m'a... Il y a 2-3 trucs qui m'ont déplu que d'habitude. Enfin, avant, je faisais pas ça, quoi. Au stand de tir, t'étais essoufflé ? Ouais. Non, mais il y a, par exemple, il y a certaines armes où je tremblais un peu et d'habitude, sur ça, je tremble pas, donc ça m'a un peu déçu. Même au niveau du cadrage et tout, il y a certains trucs. Donc c'est pour ça que là, j'ai dit, allez, vas-y, on reprend tout et on arrête de faire n'importe quoi. Ok. Il a fallu quand même que t'ailles jusqu'à Los Angeles, tirer à la Dragunov pour t'apercevoir que, putain, j'ai envie de faire un régime. Ouais, c'est surtout quand... En fait, ce qui m'a choqué, c'est quand je tenais le Glock. Quand je tenais le Glock, je tremblais un peu. Et ça, ça m'a un peu choqué. Aïe, aïe, aïe. Faut faire du sport, yo. Mais non, faut pas faire du sport. 98% j'ai dit tout à l'heure, c'est juste manger, c'est tout. Mais mange pas des manas. Ouais, c'est bien ça, franchement. Un chef qui fait... Bah, en gros, l'équivalent, c'est à peu près 300... Enfin, il y a plusieurs menus, tu vois. Et moi, pour le truc que j'ai pris, c'est en gros 2 repas par jour plus petit déjeuner. Et c'est tous les jours. Et c'est 300 euros, autour des 300 euros pour 4 semaines, je crois. 4 ou 5 semaines. 300 euros pour quoi ? Ouais, pour 4 ou 5 semaines. En ayant 3 repas par jour, plus le petit déjeuner, voilà quoi. Attends, mais bouffe comprise ? Ah oui, bah c'est la bouffe. Bah non, c'est ça le chef, c'est la bouffe, c'est 300 balles par mois. Enfin, par 300 balles par mois et t'as un chef et t'as pas besoin de le payer la bouffe en plus ? Bah non, c'est lui qui prépare tout. Il t'envoie tout, il t'envoie chez toi. En fait, par exemple, le lundi, il va te livrer plein de petits tupperwares avec toute la bouffe, avec tout le menu complet. Tupperware. C'est quoi ? C'est genre un... Ah, c'est comme des tupperwares, mais au Mexique ? Tupperware. Tupperware. Des tupperwares. C'est des petits tupperwares, ils sont petits. mais ouais. Nani. Et voilà, il te ramène ça le lundi pour toute la semaine. Et comme ça, t'as juste à réchauffer quand c'est à réchauffer et quand c'est frais, tu manges quoi. Voilà quoi. Ça, c'est charmé ça. Mais c'est le prix, mon gars. Eh, la bouffe en France, je sais pas pour combien je m'en sors, moi. Mais c'est au moins 500 balles par mois. Ouais, quand même. J'ai calculé pour en France l'équivalent du menu parce que je voulais essayer ça. C'était 800 balles. Bah ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et là, c'est pour ça, là, j'ai OK tout de suite. Donc là, normalement, la semaine prochaine, je vais... C'est pour ça, là, j'ai pas envie de faire des courses. Tu sais, pour faire la blinde des courses. Parce que moi, quand je me connais, quand je vais faire les courses, je prends toujours trop. J'ai pas envie d'aller faire les courses pour, au final, une semaine après, ne pas manger ce que j'ai acheté, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bonjour. Mais est-ce que vous souhaitez un mate sur Ready or Not ou pas ? Parce que si tu trouves que je suis mauvais, je peux partir. Hein, y a pas de souci. Bah, on cherche un mate, mais un mec qui est pas P3 max sur Rainbow Six, quoi. Ouais. On en parlera pas de cette saison. Ouais, je rigole. J'arrive, les amis, je vais prendre de l'eau et ouais, carrément. Mais de toute façon, on va en reparler là de ce qui se passe sur Ready or Not. Je suis dégoûté. Dégoûté. Ouais. Mais genre vraiment dégoûté. Hein. J'avais presque pas envie de rejouer au jeu tant qu'il fixait pas le truc. Parce que je suis quasiment sûr qu'il le fixe. Ah bon ? Je suis pas sûr. Parce que en fait, c'est ma faute et je m'en veux, je suis désolé pour ça. Mais c'est vrai que le Day One, quand il y avait la mise à jour. J'étais avec Aki et il l'avait dit à un moment que ouais, maintenant même pour le faire en S, ça a été changé. Et en fait, ça m'a totalement sorti de l'esprit, genre du truc. C'est ridicule. Et la villa qu'on a faite et tout. Enfin bon, bref. Bah, ça veut dire que le S, maintenant, il a plus autant de valeur qu'avant. Il a aucune valeur. Il a aucune valeur, mon gars. Tu peux te faire blesser. Nous, on est blessés. Allez, pourquoi tu pouvais très bien garder A et A+. Le S, c'est le truc en dessus, quoi, tu vois. Tout ça parce qu'il y a 3 chialeuses là qu'on dit sur Twitter. Non, mais franchement, je trouve ça inadmissible. Moi, j'ai envie d'avoir le S. J'ai vraiment l'impression que je fais tout et tout. Ça me casse les couilles, cette casualisation. Salut. Sur ce, je vais chercher de la flotte. A tout de suite. Yo Delta. A tout de suite, j'arrive. Yo Del. Allez, j'allais rebondir sur quelque chose, mais je vais rebondir quand si il sera de retour. Mais ouais, il pourrait avoir autre chose.
Genre un petit peu un rang caché, tu vois, le S maintenant il est connu et autre, mais si t'as vraiment un gros gros rang. Ouais, un S plus ou... Oui, ce serait compliqué d'avoir autre chose que du S, mais quelque chose dans le genre, tu vois, qui apporte vraiment une chose en plus et qui soit un petit peu un easter egg. En fait, le truc, c'est que là, hier, si tu veux, j'ai fait une mission avec les bots, donc j'étais solo. J'ai mis les bots, genre, ils sont tous armés de pistolets en paintball, là. On rentre, les bots, ils se font toucher, ils se font blesser, mais ils tirent, ils sont efficaces. Et bah, la mission, je l'ai fait en S en 5 minutes. C'est du... Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. En fait, je reviens aussi le temps qu'il cherche sa bouteille d'eau. Vraiment, c'est pas ouf. Ouais, bah... Est-ce que t'aurais eu des news peut-être sur le strip? Oula. Le strip? Ouais. La boîte de nuit. La boîte de nuit, pardon. Ah, c'est des mises à jour sur ça? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais okay. En vrai, enfin, Siska, j'avais fait un test. En gros, avec les bots, je suis parti dans une map random, tu vois. Et je me rappelle, la mission, on l'avait fait en S. On avait mis 45 minutes pour la faire et on l'avait testé plein de fois. Et bah là, avec les bots, je les ai équipés de paintball. On a fait le truc, donc eux ils rentrent et tout, ils se font tirer dessus, ils sont blessés, mais ils trahissent des gars avec le paintball. J'ai fait le S en 5 minutes au lieu de 45 minutes où on en avait fait quoi. Ah ouais, tu vas foutre le stem encore plus. Là t'es en train de nous détruire tous. Bah là on fait que des S ce soir, super. On peut aller se coucher, on aura fait toutes les missions S parce qu'on a toutes les mécaniques, etc. On a juste... Donc blessé, tout le monde est blessé et ça passe. Bah vas-y, bah on le fait bien, mais on y va, et si on est blessé, on y va. Vas-y, franchement, je vais juste chercher le S, juste histoire de leur dire, c'est complètement con. Pour moi, le niveau le plus extrême, maintenant, si on veut vraiment faire dur,